Maintenant, nous gagnons un monde pour la première fois qui ensemble avec nous, que nous apprécions de loin, de manière présentielle, nous gagnons Dr. Leslie Jules. Bye, bonjour, gros applaudissements pour nous recevoir. Homme de Dieu. Bonjour l'Église. La paix de Dieu soit avec vous. Dis mon Dieu merci pour l'opportunité que je gagne et que je suis capable de commencer avec la conférence. En général, lorsque je suis intervenu dans les églises, c'est toujours son prédication. Mais depuis quelques temps, je m'encourage, pasteur, pour être capable de faire des conférences et puis bailler jeunes, bailler monde, opportunité pour que vous soyez capable de poser des questions. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de faire un doute. Et il y a des gens qui sont capables de faire un bagage qui traverse et qui ont besoin d'espace, qui ont besoin d'opportunité pour être capable de dire ça. Il y a des gens qui ont des questions et qui brûlent les cœurs et qui ont besoin de poser. Il y a une organisation aux États-Unis qui est les Barna. Et Barna fait une enquête qui réalise que 75% des jeunes disent qu'ils ont des questions et que les questions ont gagné puisque l'Église n'a pas répondu. Donc, vous sentez dans l'obligation pour quitter l'Église. Donc, nous-mêmes, nous voulons faire un challenge en Haïti pour que nous permettions que l'Église soit capable d'avoir accès à réponse par rapport à la question que vous gagnez. Donc, je dis, après la conférence, nous avons une opportunité que vous êtes capable de poser toute qualité de questions que vous voulez. Particulièrement, si la question est sous sujet, ce n'est pas que nous allons répondre à toutes les questions. Et si la question est sous sujet, c'est la plus facile pour que moi-même capable de répondre pour vous-même. Le sujet que nous avons aujourd'hui est un sujet spécial. C'est évolution, fait ou fantaisie. Peut-être en pile question que nous sommes capables de poser tête, c'est matin, c'est qui importance y a tel sujet comme ça gagné pour l'Église. Chers amis, qui aiment bagaille. Lorsque nous parlons d'évolution, nous parlons d'origine de l'homme. Et questions sur origine sont questions qui ont en pile importance. Pour qui ça? Parce que origine nous détermine l'identité. En pile monde, tout le monde là qui fait en Haïti, ou c'est haïtien de par origine. Donc sont questions qui sont importantes. Non seulement origine nous détermine l'identité, origine nous détermine qui sens la vie ou gagne. Donc lorsque maintenant nous allons parler de origine l'homme, origine l'homme pour le déterminer identité l'homme, origine l'homme pour le déterminer est-ce que l'homme gon valeur et si nous gon valeur qui valeur la vie nous gagne, il pour le déterminer moralité nous comment nous supposer vivre la vie nous et finalement pour le déterminer destinée nous, c'est-à-dire que lorsque nous mourir est-ce que toute bagaille fini. Et donc son sujet extrêmement important. Parce que quel que soit le monde qui vit sur la terre, il suppose qu'un jour dans la ville, poser tête les questions. À savoir, qui ça m'a fait là? Est-ce que je me dresse là par hasard? Est-ce que je me dresse là parce que je évolue, je sorti dans ma caque et puis je viens là? Qui sens la vie m'a? Est-ce que la vie m'a sens? Est-ce que la vie m'a valeur? Qui ça m'a la vie m'a valeur? Est-ce que la vie m'a valeur en fonction de ça que je possède ou bien est-ce que la vie m'a valeur de manière intrinsèque? Comment me supposer vivre la vie devant bon Dieu et finalement le mourir qui côté me braler? En principe, il y a deux théories qui ont confronté pour bailler réponse à la question. Il y a une théorie, c'est la création. Selon la théorie création, il y a une théorie. Tout à l'heure, je vais dire pour qui ça me relève comme ça. Selon la théorie création, nous sortons dans bon Dieu. C'est-à-dire c'est bon Dieu qui crée nous. Et c'est bon Dieu, sous base, crée nous. Bon Dieu détermine l'identité nous. C'est que l'identité nous sortons dans bon Dieu. Non seulement ça, parce que nous sortons dans bon Dieu, et c'est ça qui va nous valeur. C'est ça la Bible, nous créer à l'image de Dieu, imago Dei. Parce que nous créons à l'image de Dieu, nous avons valeur. Et valeur, ça, nous gagnons de manière intrinsèque. Et c'est à cause de valeur, ça, qui fait Jésus-Christ est capable d'accepter
vin mourir pour vous-même. Zanmi mo yo pas créé à l'image de Dieu. C'est ça qui fait pas gain rédemption pour yo. Zange yo pas besoin rédemption, zange qui chute yo pour qui ça? Parce que pas gon race d'ange. Bon Dieu créé chaque zange yo individuellement. Chaque zange yo gain histoire yo. C'est-à-dire que si bon Dieu t'a racheté zange yo, il t'a supposé mourir pour chaque grain zange qui existait parce que pas gon race d'ange. Mais pour ça qui concerne l'homme, nous sommes race, c'est ça qui est la race humaine. Parce que nous sommes race, parce que origine nous sortit dans bon Dieu, nous avons valeur, et parce que nous avons valeur, et donc Jésus-Christ vient mourir pour nous-mêmes. Mais parce que nous sortit dans bon Dieu, de façon que nous devons vivre, nous ne sommes pas capables de vivre, je nous voulais, dans ce sens-là. Et parce que nous sortit dans bon Dieu, nous pourrons joindre bon Dieu lorsque nous mourons. Et donc c'est comme ça la Bible. Présenter création, c'est comme ça la Bible, présenter version par là. Cependant, une deuxième version, et c'est, si vous voulez, la théorie de l'évolution. Donc, nous avons même matin exposé théorie évolution. Peut-être qu'il y a des gens qui sont capables d'entendre et qui posent cette question. Qui est-ce qui est évolution? Son bagage a besoin qu'on ait pour qui ça? Parce que plus de deux tiers de monde sur la planète, là, quoi la donne? En pile, monde croit dans l'évolution. Et je vais le montrer, lorsqu'on croit dans l'évolution, qui implication ça capable gagner pour la vie. Donc dans conférence aujourd'hui, premier ça m'a fait me présenter au ABC de l'évolution. C'est-à-dire que pour capable comprendre en sorte que lorsque il y a pas l'eau de évolution pour pas saisir. Il y a de jeunes Simon qui rivaient dans l'université, lorsque rivaient professeur philosophie ou bien professeur biologie dit que bagaille bon Dieu ça son mythe, son blague, mais qui côté sorti tout bon. Et grand pile jeune, lorsque vous fini l'université, vous abandonné bon Dieu. Parce que vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Donc, maintenant, je vais présenter la BC de la théorie de l'évolution. Deuxièmement, je vais présenter l'implication logique évolution. C'est-à-dire que lorsque vous croyez dans l'évolution et lorsque vous voulez pousser logique évolution en est allé, mais qui ça s'abat. Et troisièmement, je vais présenter le défi qui a un rapport avec l'évolution. En pile, le monde toujours pensé. Lorsque ou gen deux trois monde de science qui dit un bagaille, c'est comme si n'ta dit ou ça ou dit ou pas capable de challenge li. Et ben matin on va le montrer ou comment nous capable de challenge théorie évolution. Et si moi gen temps, n'ta remet présenter au modèle biblique là nan en base purement scientifique. Et pour montrer effectivement ça que Moïse écrit dans la Genèse, Moïse écrit un modèle de création et qui purement scientifique. Maintenant, lorsque on a parlé de évolution, évolution sorti qui bon? Évolution sorti dans Darwin. Et donc c'est Charles Robert Darwin. Et qui lui-même était vivre entre 1889 et 1882. Charles Darwin, c'était un biologiste, c'était un géologue et c'était un humaniste. Contrairement à ça, en pile monde capable de penser, Charles Darwin levait l'église. Et comprenez bien ça m'a dit là, plus gros ennemi que l'église gen jodi a, c'est des monde qui levait l'église. Plus gros athée qui plus célèbre, athée militant, monde qui bail tête yo mission pour détruire la foi chrétienne, plus fort monde ça yo levait l'église. Charles Darwin levait l'église. Monsieur pendant monsieur t'a faire une expérience que m'pa recommander à personne. Monsieur t'a perdu deuxième petite fille qui relait Annie. Je fais expérience en 1851. On ti moun qui était malade et que monsieur priait pour ti moun ça a guéri. Et lorsque le priait, le connaît il confiant que bon Dieu pourra le guérir ti moun nan. Mais cependant, chers amis, bon Dieu souverain. Bon Dieu fait ça le vle. Des fois bon Dieu guérit, des fois bon Dieu pas guéri. Et c'est ainsi que monsieur perdu ti moun nan. Et lorsque monsieur perdu ti moun nan, monsieur fait naufrage par rapport à la foi. Et c'est ainsi que Charles Darwin, dans le cadre de travail, monsieur intéressé qu'on est, si ce n'est pas bon Dieu, si bon Dieu n'a pas intervenu, eh bien donc à qui ça bon Dieu servit finalement? Et ces réflexions, ça a que aurait le déisme. Déisme, c'est qui ça? À un certain moment de la Dieu, il y a des gens qui dit que il y a une conception de l'univers qui dit que bon Dieu crée l'univers, tant qu'on a dit son monde que au bail chaîne. Et que l'équité fonctionnait de par lui-même. C'est-à-dire que bon Dieu,
n'est pas intervenu dans l'histoire, bon Dieu n'est pas intervenu dans les affaires des hommes. Il y a deux mondes qui étaient croyants comme ça. Mais cependant, croyant ça qui fait mon croire que bon Dieu n'a pas intervenu, hein, au final, il dit que si bon Dieu n'a pas intervenu dans la vie, si bon Dieu n'a pas intervenu dans la femme, à qui ça bon Dieu servi? Et donc, Darwin a besoin de l'autre modèle qui était capable d'expliquer l'origine de l'humanité, c'est-à-dire qui côté l'humanité sorti. Et c'est alors que dans le cadre de recherche, monsieur a développé une théorie ça, qui portait nom, qui aurait le darwinisme. Et qui chita, si sous sa que nous relais, yon évolution de l'humanité qui sorti, si vous voulez, dans l'an mai, et qui bat nous ça que nous gagnons aujourd'hui. Donc, il sorti dans des cellules simples pour arriver dans des cellules complexes. Maintenant, qui te présente sous qui sa théorie sa chita? Théorie sa chita sous deux piliers que vous relais des piliers jumeaux. Premièrement, c'est ça, vous relais ascendance commune universelle. Selon théorie Darwin, nous tous nous sortis du même côté, nous tous nous sortis dans la même souche. Et c'est ça que M. présentait le communion pied bois. Pas oublier, parce que Darwin levait l'église, donc on voit ça que M. a présenté, il y a une pile analogie à l'église. Donc Darwin pral redéfinit l'arbre de la vie. Et tel que M. a redéfini l'arbre de la vie, M. voulait montrer que nous tous nous sortis du même côté. Pour qui ça? Parce que lorsque nous regardons, nous n'apprenons que en pile fois, forme squelette nous yon pas différent, don singe par exemple. Lorsque ou fan vant yon moun, ou fan vant yon sourit par exemple, ou apwe même structure que ou gen dans sourit là, c'est même structure ça qu'ou gen dans moun nan. Et c'est même bagay pour un crapaud tout par exemple. Donc parce que gen des similitudes, parce que gen des réalités qui semblables entre nous mêmes et l'autre bête yo, par conséquent, nous toutes nous sortis même côté. Alors, ça que M. dit, la science utilise, et c'est ça que fait des fois pour que lorsque il a testé des médicaments, il a testé des médicaments sous lapin, il a testé des médicaments sous singe, il a testé des médicaments sous souris, parce que nous, quelque part, nous avons la même constitution avec eux. Donc, selon Darwin, puisque nous avons la même constitution ensemble avec un pile bête, il se pourrait que nous leçon bête nous et tout. Et que après une quantité de temps, je vais expliquer le processus là, Jean que monsieur expliquait. Après une quantité de temps, nous venons évoluer jusqu'à ce que nous arrivions à ça que nous y sommes. Donc c'est ça que monsieur relève, ascendance commune, universelle. Deuxième point qui est important dans la théorie là, c'est ça que le relève, la sélection naturelle. C'est ça que relève un croisement sélectif. Qui ça Darwin fait? Darwin dit observer des éleveurs. Des mondes qui levé bête. Et il voit que des fois, ils fait croisement ensemble avec bête ça. Donc, ils croisé, et lorsque ils croisé, ils ont plusieurs races. Et ça que monsieur observé au niveau nature, au niveau humain, monsieur estime que la nature fait même bagaille là. Donc, la nature fait des croisements. La nature permet que monde évolue, la nature permet que évolution possible. Comment monsieur dit ça? Je dis par exemple, si on prend yon race chien, tap levé dans un espace qui frette, ou pral wè la kay chien sa yo, que ou pral gen plume qui pral pousser sous do yo, plus que chien qui fait dans pays tropical yo, chien qui fait dans race chaud. Et on l'autre bagay que monsieur pral expliquer, c'est que si on prend yon quantité moustique, on dit que ou gon sal qui gon quantité maringouin là-dedans. Et que vous décidez, ou achetez un bégon, et pour vous flitter maringouin ça, qui ça va passer? Ou après que en pile dans maringouin ça, vous allez mourir, mais vous n'avez pas mourir. Maringouin qui pas mourir, vous allez développer son relais des anticorps. Anticorps ça que vous développez, a fait que lorsque maringouin ça, vous allez faire petit, vous allez faire à tout anticorps. Qui ça veut dire? Ça veut dire que petit maringouin ça, li pral forme une génération de maringouins que bégon pas capable tuer encore. Et c'est ça qui fait que deux monde qui kon dit semble bégon yo pas efficace. Jean kon wè était plus efficace longtemps. C'est pas que bégon n'est pas efficace. Formule bégon n'a pas changé, mais bête ça yo développé des anticorps et yo créé si vous voulez une autre espèce de bête
et qui permettent que moun sa bête sa yo yo pas capable subir influence bégon nan. Maintenant, ça que Darwin a expliqué nous là, c'est ça que relé la microévolution. Microévolution, c'est ça que la science relé une variation adaptative dans le sens que des bêtes yo adapté yo à environnement yo et sous base adaptation qui fait dans environnement yo, yo gen des gènes, yo gen des informations que yo perdu et qui fait que yo vinn fonctionner dans l'autre dimension, yo vinn gon forme qui paraît différent ou du moins yo vinn développer des anticorps même dans un contexte moustique yo. C'est-à-dire que lorsque n'a parlé de évolution, si nous dit microévolution, microévolution en vrai, ça va gagner menti la donne. Il me fait ce bon exemple dans Marigouin. Donc nous pas gagner problème ensemble avec théorie évolution hein, dans le sens que s'il a parlé de microévolution, s'il a parlé de adaptation, comment bête a adapté à environnement yo. Mais cependant, Darwin li pa kenbe raisonnement là seulement au niveau micro. Monsieur pousse raisonnement là au niveau macro. Et au niveau macro, qui ça Darwin dit? Darwin expliquait que la vie commençait dans la mer, la vie commençait à partir des algues dans la mer, et que l'y évoluait progressivement. Non seulement l'y évoluait, l'y sortit dans la mer, l'y sortit, si vous voulez, quelque part au niveau végétal, de yon dimension végétale, l'y évoluait. Li tombé dans une dimension animale, de yon dimension animale li évoluer pour tomber dans une dimension humaine. Donc mais chemin la vie, mais origine la vie. La vie était végétale, de végétal li vinn animal et de animal li vinn humaine. Et en fait, la vie pas vinn humaine, la vie still rete animal parce que l'homme son animaux que lié. Et c'est ça que représente l'homme comme un animal raisonnable. Donc dans le sens que l'homme ou gen deux espèces dans modèle Darwin là. Ou gen espèce végétale et ou gen espèce animale et l'homme fait partie de espèce animale là en tant que yon animal raisonnable. Donc réalité a c'est que dans équation ça bon Dieu pas la donne du tout. Donc Darwin expliquait si vous voulez l'origine de la vie selon modèle ça. Lorsque Darwin présentait bagay ça, le ça ou t'a pral gen son relé yon triomphe du sécularisme parce que tout le monde t'a pral retrouver dans modèle Darwin nan. Pour qui ça? Parce que Darwin présente un modèle côté bon Dieu par là encore. Lorsque bon Dieu par là encore, qui ça veut dire? Ça veut dire c'est mettre tête moi qui fait ça me veut. Donc son belle bagaille. Donc en pile monde, tout le monde qui t'a gen soif prend liberté yo, tout le monde qui pas veut soumettre yo ensemble avec bon Dieu, tout le monde qui t'a senti que bon Dieu son monde qui a fourré bouche dans bagaille qui pas garder. Donc le ça yo retrouvé yo dans théorie Darwin nan, et c'est ainsi que l'humanité t'a pral changer. En pile bagaille t'a pral changer à travers le monde entier. Malheureusement grand pile monde qui pas réalisé bagaille ça. Mais m'a pensé si c'est pas ça Salomon a dit lorsque l'a dit un seul homme détruit beaucoup de biens. Un seul monde pour qui ça? Parce que l'idée qui est dans la tête a des conséquences. Sans quoi il y a des conséquences. Et automatiquement, quoi il y a un bagage, il y a des conséquences dans la vie. Et c'est ça qu'on a besoin de faire pile attention à ça. Et m'a demandé, est-ce que ce n'est pas pour raison ça qui fait David a dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Parce que moi-même, avant, nous pas imperméable. Tout ça que nous voyons, tout ça que nous tendons, il y a un impact sur nous. Et peut-être ça m'a dit à la monde qui dans marketing connaît très bien. Des fois yo bombardé avec une quantité image, yo bombardé avec une quantité information et l'on prend décision pour acheter, ou pas même pour qui soit acheté, pour qui ça parce que ou qu'est séduit, yo qu'est prend. Parce que information que recevoir, li descend ça qu'on recevoir que à travers yeux, que à travers oreilles, li descend dans subconscient, li installé là et puis il commence à travailler. Et le ça peut-être l'abdomen en nuit tout commencer well. Et même Salomon dit que la multitude des songes naissent de nos occupations, puisque c'est à son pensée, puisque c'est son ouais du travail. Et donc, l'arrivé sous caisse là, l'a acheté, l'a pas même rendu compte qu'il l'a acheté. Mais est-ce que son achat innocent? Pas nécessairement. Maintenant, le monde t'a redéfini.
Dans mes présenter nos slides sur le triomphe de l'humanisme, grand pile bagaille qui t'a pral redéfini. La nature t'a pral redéfini. Donc si t'es qu'on le, yo t'es qu'on dit que la nature, c'est bon Dieu créé, c'est bon Dieu créé le monde, puisque bon Dieu pas dans l'équation encore, donc on y a là ou besoin joindre une explication pour l'origine de l'univers. Maintenant, pendant que y a réfléchi sur l'origine de l'univers, yo vinn déboucher sur une théorie et que relé la théorie du Big Bang. Théorie Big Bang nan ki ça le dit? Il tout simplement dit que t'es gagné un moment logique donné et pendant moment logique ça, ou gagne une explosion qui fait ou pas qu'a dit qui côté le fait parce que pour qu'on gagne univers à cette époque. Et lorsque explosion ça a fait, ou gagne quatre éléments qui produit à l'existence de manière simultanée. Ou gagne le temps, ou gagne l'espace, ou gagne la matière, ou gagne l'énergie. Quatre éléments ça a produit à l'existence de manière simultanée et c'est ainsi que l'univers vient exister. Cependant, explosion ça l'y produit par la chance, l'y produit par le hasard ou si vous voulez par la force des choses. Donc puisque univers là l'y s'est produit du hasard et de la chance, donc tout éléments, parce que univers là, ils sont ensemble. Donc tout élément en dedans ensemblant, il est obligé produit du hasard et de la chance tout. C'est-à-dire que dans le modèle Darwin, tout le monde qui a son chance qu'il faut là et où tu es capable là. OK? Donc où tu es capable là parce que son chance par hasard, il y a une explosion qui fait à un moment logique donné et toute bagaille ça on est produit à l'existence. Cependant, lorsque vous considérez Big Bang qui s'allie son effet que lié. Maintenant, puisque la science chita sous son relé la loi de la causalité, c'est-à-dire pour toute cause ou besoin effet, si Big Bang n'a son effet, ou besoin poser cette question, côté cause là, n'est-ce pas? Et donc c'est le ça, il y a tout un problème qui pose, il y a des gens qui disent que explosion ça, li créer tête li pou kol. Mais maintenant, nous devons comprendre toute acrobatie intellectuelle que nous avons besoin de faire pour arriver à quoi que une explosion qui produit tête li pour contre lui. Donc, quoi que une explosion qui produit tête li pour contre lui, c'est comme si nous avons dit ou quoi que, par exemple, pendant que nous là, n'importe bagay capable de produire à l'existence à partir de rien. C'est-à-dire que pendant nous là, dans la salle là, nous sommes capables de cheval paraître là, puisque c'est comme ça que bagay fait dans l'univers. Puisque l'univers là, il produit à partir de rien. Par hasard, et mais par hasard, n'importe quoi est capable de produire. Et donc, on va réaliser que théorie, ça n'a pas fait sens. Et c'est ça que fait, lorsque on a considéré théorie, ça a dans la science, nous dit que si quelque part Big Bang n'a existé, et que si Big Bang n'a son effet, nécessairement besoin Big Banger. Parce que pour qu'on Big Bang, il faut qu'on cause. Et cause ça, il a besoin d'une cause principale. Puisque, comprenez-moi bien, ça m'a dit là. Si avant univers là, parce que c'est ça scientifique qui dit, non? Il dit nous que lorsque Big Bang n'a produit, ou gen quatre bagailles qui fait en même temps, ou gen la matière, ou gen l'espace, ou gen le temps, ou gen l'énergie. Maintenant, si Big Bang n'a fait, Big Bang n'a besoin de cause pour éviter arriver à bon Dieu comme cause. Ou qu'on ça dit ou? Yo dit que explosion en fait pour contre lui. Pour qui ça? Parce que si ou al investiguer de yon cause pour Big Bang nan, qui sa cause ça va le baou? Cause ça va le dire que puisque avant Big Bang nan pas de matière, alors cause Big Bang nan, li besoin immatériel, c'est-à-dire li besoin spirituel. Deuxièmement, puisque avant Big Bang nan pas de espace, et ben donc cause Big Bang ça, il a besoin en dehors de l'espace, c'est-à-dire il a besoin transcendant. Puisque avant Big Bang n'a pas de gain énergie, cause Big Bang ça a besoin qui ça? Il a besoin tout puissant. Puisque avant Big Bang ça pas de gain le temps, cause Big Bang ça, il a besoin qui ça? Il a besoin éternel. Cause ça pas semble à bon Dieu d'après vous-même? Par contre, si n'a pas suis sinon avec moi. Donc pour éviter réflexion ça, pour éviter raisonnement ça, à savoir, est-ce que Big Bang n'a pas une cause? Donc, ils préfèrent dire que
Big Bang n'a pas de cause. C'est-à-dire que automatiquement que on dit Big Bang n'a pas de cause, c'est que on admet que qu'on y a là capable gain effet sans cause. Automatiquement on dit que capable gain effet sans cause ou pas dans la science encore. Pas dans la science. Ou dans la politique qu'on y a. Donc on va régler l'autre bagaille ou pas dans la science. Donc ça que je voulais montrer matin, je voulais montrer que des fois en pile théorie ça nous tendez parce que il y a deux monde qui paraît big deal qui dit yo et nous prêts pour un bagaille, yo pas camper sur rien du tout du tout. Et m'ta même prouver matin à la fin de conférence que modèle qui présenté dans la Genèse, modèle que Moïse présenté nous, c'est exactement modèle ça qui correspond à origine univers là et qui fait de nous même ça nous hier. Premièrement nature, donc nature yo dit que nature li là par hasard. Deuxièmement monde. Maintenant, puisque univers là c'est lui-même qui ensemble hein, univers là par hasard et même monde tout là par hasard. Et donc finalement qui ça moun yé? Moun c'est tout simplement yon bouche, c'est tout simplement yon vente. Et donc moun c'est qui ça lié? Moun pas vraiment rien, son bouche ou besoin nourri, son ventre ou besoin nourri. Et des fois lorsque moun ça trop, lorsque gen trop bouche pour nourrir, lorsque gen trop ventre pour nourrir, le ça si gen moyen pour éliminer deux trois moun ou éliminer yo. Donc dans le contexte théorie Darwin, il n'y a pas nécessairement un problème si vous éliminez deux trois monde. Il n'y a pas nécessairement un problème si vous tuez deux trois races. Et c'est ça que fait pour Hitler, il n'y a pas de problème pour tuer 6 millions de juifs. Parce que qui ça monde, il n'y a pas rien. Ou tout simplement là par hasard, ou pas de pièce valeur. Dans le modèle Darwin, dans le modèle évolution, valeur monde, il est purement extrinsèque. Extrinsèque veut dire qui ça? Il est en dehors de vous-même. C'est-à-dire que valeur, les fonctions de éducation, ce sont monde qui éduqué ou sont monde qui gain valeur, n'est-ce pas? Valeur fonction de compte en banque, second belle compte en banque, c'est qu'on sont monde qui gain valeur, n'est-ce pas? Valeur fonction de dans qui quartier ou vivre, soit vivre dans un quartier qui chic, c'est qu'on sont monde qui gain valeur. Valeur en fonction de bien qu'on possède. Dans le modèle Darwin, non, pas gain personne qui gain valeur. Valeur purement en dehors de vous-même, valeur extrinsèque. Donc, puisque vous n'avez pas de bagaille, ça, donc il n'y a pas nécessairement un problème si vous éliminez, n'est-ce pas? Qui valeur que vous gagnez? Parce qu'en principe, dans le modèle Darwin, dans son modèle qui chita sous sa orelle, la survie des plus capables. Donc, c'est même genre dans le contexte moustique que vous avez expliqué nous. Hein? Moustique qui survivent à Bégonne, c'est des moustiques qui sont plus capables. Et la nature aime ça. Parce que la nature fait que ça qui est plus capable, c'est eux-mêmes qui subsistent. Et donc, il n'est pas nécessairement mauvais si vous éliminez deux trois mondes. Et mondes qui, si vous voulez cap vivre, tant que la vie, mondes pas important pour vous-même, c'est dans la théorie ça que vous croyez. Mais cependant, des fois, moi-même, avant, nous besoin de faire un check dans le cœur. Des fois, moi-même, avant, nous sommes capables de dire que nous sommes chrétiens, nous sommes capables de dire que nous ne sommes pas croyants dans la bagaille d'art, oui, nous ne sommes pas croyants dans la bagaille évolution. Mais nous seulement besoin de regarder comment nous traitons les mondes qui sont à côté de nous. Parce que les gens traitent les mondes qui sont à côté, ils déterminent dans qui sont croyants. Parce que ça quoi a pas nécessairement ça cap saute dans bouche ou ça quoi a c'est ça cap saute dans action yo. Et c'est ça que fait la Bible enseigner que on reconnaît l'arbre par quoi? Par son fruit. Donc automatiquement on va regarder fruit, on va capable déterminer qui type de pied bois que lié. On capable dire que moi même moi pas quoi dans évolution, moi pas quoi dans Darwin, mais le m'a traité mon en fonction de qui est yo. Le m'a traité mon en fonction de ça au posséder, le ça dans qui ça me quoi? Me quoi dans Darwin. Tout simplement l'église, tout simplement capable de présenter, me capable de dire mon nan qui ça me croit, mais en réalité c'est pas dans qui ça, c'est pas dans ça me croit. Donc l'homme dans contexte ça, dans contexte Darwin, c'est tout simplement un facteur de production. Moi même c'est économiste, l'homme d'abord étudie économie, il était toujours présenté, mais pas jamais de comprendre ni pour qui ça. Il était toujours présenté les facteurs de production qui c'est le capital, la terre et le travail. Le travail c'est qui ça? C'est moun, labor. Donc, dans le modèle Darwin, le monde tout simplement représente un facteur de production et rien de plus. Donc, ou bon facteur de production là, et il n'y a pas marché encore, ou juste servi avec un lot. Ça a une vingtaine d'années de cela, tu es plus jeune. Bon, bien sûr, tu es plus jeune, ça a 20 ans. Et tu es floor manager dans une grosse usine, pas besoin de dire qui domaine, pour que pas rapidement identifier. Et puis, en tant que floor manager, j'ai pratiquement 75 personnes que j'ai supervisé. Et moi-même, j'ai un bureau avec un baie vitré. J'ai regardé monsieur qui a frappé dans le floor. Et puis, j'ai regardé odeur ciment, j'ai regardé ciment tout partout.
dans l'ambiance là. Et puis mal côté manager, mal côté boss, moi je me dis monsieur comme ça que gon problème oui là parce que et monsieur yo y a respiré ciment ça matin midi soir. Donc je pense que et ben ça pas bon pour eux même parce que le m'a regardé nèg ça qu'a respiré ciment. Hein? J'ai l'impression dans l'estomac que son béton amélié parce que fait tout un jour noir respirer par ça pas gain masque. Et le mal côté monsieur me dit ça. Monsieur dit me sort fac ça parce que monsieur c'est comme ça lié. Monsieur souvine côté et ça ton pour bagage positif que le apprendre moi. Souvine côté ou dit le gros problème faut dire solution. Faut venir avec au moins deux solutions. Monsieur pas en plein. Bal problème non mais bal solution tout. Et puis monsieur dit me sort fac ça. Me dit monsieur mais ça me penser. Dit monsieur me penser que nous capable acheter masque pour mon yo. Et puis avec masque, mon yo pas obligé respirer au deux ciment, donc il y a capable plus productif. Monsieur dit OK, quittez me douceur les dim là. Monsieur dit si me bien comprendre non et ou estimez que monsieur ça au moins pas bien traité yo et que vous supposé ba yo masque et que le ça nous pas l'acheter masque, monsieur va le mettre masque pour le fini, nous pas l'acheter l'autre masque encore masque fini, à l'acheter l'autre masque encore. Monsieur dit ou pas réaliser que soit dim là, c'est quoi vous faire perdu. Pour qui ça? Parce que monsieur pas ouais santé mon yo. Parce que monsieur seulement connaît que yon ouvrier tombé là, 200 ouvriers de yo à capitaine job ça. Donc monsieur pas important, son pièce détachée que lié. Son labeur, son facteur de production. Donc puisque son facteur de production, m'a pas besoin de traiter les gens pour me traiter. Au point parce que monsieur pas qu'a fait job là, il y a 20 monde qui qu'a fait. Et puis à cette époque, me dit monsieur et c'est là ça me va découvrir un principe en management. Yo dit que lorsque le manager supposé bilingue ou supposé capable de parler langue monde qui sous tête toi et langue monde qui en bas. Et c'est là ça me réaliser que langue que me t'a parlé monsieur, c'est pas langue que le comprendre, monsieur pas comprendre langue ça. Et me dit monsieur qui t'aime non bagaille. Ou quand ça fait me dou proposition ça, c'est parce que me réaliser que nèg yo parler en pile sous floor et me réaliser que si nous ba nèg yo masque, nèg yo parler moins, nèg yo travailler plus. Quand ça monsieur dit now you're talking. Parce que langue ça le parler. Monsieur va comprendre ça va dire là, m'a parlé de nèg qui parle malade. Etc. Monsieur pas dans modèle monde qui malade parce que pour lui même c'est des facteurs de production et dans modèle Darwin c'est comme ça ouais monde et c'est ça qu'on besoin faire très attention dans façon ouais dans façon juger monde parce que on capable dire l'église on capable dire quoi dans modèle création mais mode de fonctionnement c'est dans évolution par rapport à monde maintenant par rapport à l'histoire dans modèle Darwin dans comment ouais l'histoire yo ouais l'histoire si vous voulez son bagage qui cyclique. Et son bagage cap recommencer, son perpétuel recommencement. Et ouais, le temps comme son bagage qui tout simplement symbolisé par l'argent. Et c'est ça qui fait on dit que le temps c'est qui ça? Le temps c'est de l'argent. Et donc lorsque autant des bagages ça, lorsque on répète, on a toute notre philosophie derrière. Donc dans ce sens pas temps sont question de l'argent. Mais cependant dans un modèle biblique là, temps lit plus que l'argent. Au contraire, temps sont opportunités. Et c'est ça que lorsque la Bible parle de temps, des fois, il y a deux façons que le présenter temps. Il présente temps en termes de chronos, c'est-à-dire que soit un montant qui bat 24 heures par jour, mais il présente le tout en forme de ça, les kairos, qui c'est des moments de qualité, passer temps ensemble avec bon Dieu, passer temps ensemble avec famille, passer temps ensemble avec amis, c'est des moments de qualité. Et gens que la Bible définit temps, tant son bagage qui commence son côté, il pral fini en côté. Tant l'histoire, l'homme, il commence dans un jardin, il pral fini dans une cité. Et bon Dieu, à travers l'histoire, bon Dieu, il est en bas nous démarche là. Bon Dieu, il est en présente nous le plan de rédemption. Et c'est ça que la Bible y est. Par contre, si un pile monde réalise ça, la Bible, c'est tout simplement plan bon Dieu gagné pour racheter l'humanité en Jésus-Christ. C'est ça seulement la Bible y est. Son plan. Donc la Bible qui t'a expliqué, puisque bon Dieu c'est l'alpha et l'oméga, bon Dieu qui t'a expliqué bagaille, si vous voulez de Genèse à Apocalypse, commencer dans le jardin pour le finir dans la cité. Et donc c'est comme ça que vous voyez l'histoire dans le darwinisme. Maintenant comment vous voyez la nature? Dans la nature, vous voyez que la nature son système fermé. Donc tout ça qui fait en dans la nature, il a besoin d'expliquer par yon réalité en dans la nature. C'est comme ça, ouel. C'est-à-dire que tout ça qui fait, tout phénomène physique qui fait dans l'univers, li besoin expliquer par yon réalité en dans l'univers. Ou comme ça veut dire? Ça veut dire que tout phénomène physique que ouais dans l'univers
et que vous pas capable expliquer de manière naturelle qui ça veut dire, ça veut dire il va exister. Ça veut dire que miracle pas exister. Pour qui ça? Parce que miracle supposé le surnaturel, miracle supposé que son intervention divine, c'est-à-dire en dehors de l'univers, qui vient faire en dans l'univers. Et donc, puisque yon miracle supposé le surnaturel, et puisque le surnaturel pas existé, miracle pas existé. Et puisque dans la Bible, chargé miracle de Genèse à Apocalypse, et bien la Bible, son livre, ou mettre rejeté, le mettre de côté, parce que la Bible pas campé sous un yen. Comme ça, vous définissez. Et donc, vous expliquez que t'es gonlè, lorsque moun pas de savoir, lorsque moun pas de gain la science, lorsque vous voyez des phénomènes physiques, des phénomènes naturels, vous expliquez de manière surnaturelle. C'est-à-dire que lorsque vous voyez la plupart tomber, vous dit que la plupart tomber, c'est parce que c'est Dieu qui est capricieux, c'est Dieu qui pas voulu la pluie tomber. Cependant, la science dit que jodia, lorsque la pluie va tomber, ou bien lorsque la pluie a tombé, vous êtes capable d'expliquer sans problème. Parce que phénomène la pluie a son phénomène, c'est ça, ou les vaporisations. Donc, kounya la, puisque nous sommes capables d'expliquer la réalité de manière naturelle, est-ce qu'on a besoin de cause surnaturelle? Non, pas besoin de cause surnaturelle. Et donc, c'est ainsi que vous retirez bon Dieu dans l'équation. Maintenant, la réalité, c'est que, est-ce que Jean Darwin présente la réalité, ça? Est-ce que le monde est capable de vivre comme ça? Une biologiste célèbre, c'est Richard Dawkins. Tenez ça, monsieur dit. Monsieur dit que il n'existe au niveau le plus élémentaire ni conception, ni dessein, ni mal, ni bien, sinon l'indifférence aveugle. Nous sommes des machines à propager l'ADN. C'est-à-dire que nous pas un rien, nous c'est tout simplement des machines qui tout simplement cap propager ADN. Et gagnons côté dans l'autre texte. Côté Richard Dawkins dit que nous sommes un tas de boue, il a dit on masse la boue, qui a développé de la rationalité. Maintenant, question que nous avons posé Richard Dawkins, si nous avons une chance, et que nous capable de croiser avec lui, nous avons dit que lorsque le rive la Kaeli, après un jour de travail, et que l'a embrassé madame, ni l'a embrassé petite li, est-ce que lui ou en a eu même des mondes qui n'ont pas une valeur intrinsèque? Est-ce que le ou même yon masse, yon un tas de boue qui a développé de la rationalité, ou bien est-ce que li ou en a ou même des mondes qui ont valeur? Parce que c'est ça qui passe, automatiquement que vous rejetez bon Dieu, que vous retirez bon Dieu dans l'équation, pas gen absolument rien qui a valeur encore. Et c'est ça en pile philosophe te réalisé. Parce que automatiquement vous retirez bon Dieu dans l'équation, ou retirez immortalité, et automatiquement vous retirez immortalité, ou retirez bon Dieu, qui ça qui vient passer? La vie vient pas faire sens encore. Et parce que la vie vient pas faire sens, le ça c'est à chaque monde de essayer créer un petit sens pour la vie ou à travers faire un petit projet et projet personnel et projet communautaire et faire un petit bagage pour capable bailler la vie ou un sens. Mais cependant un problème n'a posé si univers là qui c'est ensemble là pas gain sens, il pas gain but, li là par hasard, et ben c'est pas petit projet nous qui a bon sens, qui a bon but. Et donc c'est ça qui fait modèle Darwin, son modèle que vous pas capable de fonctionner ensemble avec lui. Darwin me prend 15 minutes que moi était là après que me fin exposer nos modèles Darwin. Darwin me présenter nos failles qui existaient en dedans modèle Darwin ça. Failles qui existaient lorsqu'on prend modèle là, on va voir que il y a deux bagailles qui pas correspondent là-dedans. Premier bagaille c'est design ou bien conception intelligente qui gagne dans chaque espèce. Deuxième bagaille là c'est son relé et ça représente comme un talon d'Achille et c'est son relé l'explosion cambrienne. Explosion cambrienne qui ça lié chers amis. Explosion cambrienne c'est que yo découvri yon quantité d'animaux qui fossilisé veut dire qui ça. Par exemple, leur prend yon bête qui mourit par exemple et puis enterré. OK, ou enterré et puis après quelques temps bête ça capable de décomposer. S'il pas décomposé dépendamment de conditions sol là, le ça l'a fossilisé. Fossilisé c'est que li vinn cuit en dans terre. Qui ça a découvert? Yo découvert que gen yon quantité bête qui tellement en pile que aurait l'yon explosion.
yo découvri yo des bêtes qui étaient existé dans ça yo relé yon ère géologique précambrienne, l'extracte relé l'explosion cambrienne. Lorsque yo découvri bête ça yo, yo décortiqué yo, qui ça que yo joine dans bête ça yo, yo joine que bête ça yo yo composé de cellules complexes. Qui ça veut dire une cellule complexe? Son cellule qui a tout un mécanisme et son cellule qui a une information la donne. Parce que moi, ma veille, tout mouvement, nous, toute façon que nous vivons, c'est parce que nous avons une information qui distribue dans nous-mêmes, dans l'ADN, nous, et qui fait que nous s'ennuyons aujourd'hui. Et c'est ça qui fait, depuis tantôt une dizaine d'années, et Francis Collins, et qui a dirigé un projet qui a été le Human Genome Project, Sequencing Project, et qui lui-même qui fait qui ça? Yo arrivé décoder ADN, yon cellule ADN moun. Et lorsque yo décoder cellule ADN, qui ça rejoint dans d'après ou même? Information. Or, il se trouve que information sont réalité immatérielle. Toute information immatérielle, pas une information matérielle. Même lorsqu'on prend données, ou mettez sur un disque dur, sont éléments immatériels. Donc lorsque vous jouez une information ça en dans cellule monde, ça veut dire qui ça? Avec découverte ça, vous venez en mesure aujourd'hui pour vous capable de faire sortir des médicaments personnalisés. Donc vous font médicaments qui marchent pour vous-même personnellement. Donc vous médicaments qui marchent pour vous-même personnellement sont médicaments qui ne peuvent pas avoir effet secondaire sur vous-même. Parce que le fait exactement pour vous. Mais non seulement ça, ça que vous découvrez, type de information ça, que vous jouez en dedans une cellule ADN moun sont informations qui ordonnées. C'est-à-dire que information ça c'est lui qui dit qui couleur cheveux au doyer. Information ça c'est lui qui dit qui hauteur au doyer. Information ça c'est lui qui dit tout joint fonctionner. Maintenant, l'heure découvrir type d'information ça, type d'information ça lui semble à qui ça? Lui semble avec un code informatique. Maintenant, tout côté au bon code informatique qui sont besoin. Ou besoin programmeur, ou pas capable de gagner code sans programme. Donc automatiquement ou découvrir en dedans une cellule ADN monde et faut me dire nous en passant que en dedans une cellule, une simple cellule. Moi m'a voir nous gagner des millions de cellules en dedans nous. Une seule cellule ADN yon monde ou joindre autant d'informations là-dedans que nous en encyclopédie. Entendez ça? Une seule cellule dans le corps gagne autant d'informations que nos encyclopédies. Alors, mon cap dit que bon Dieu va exister. C'est comme si nous disions, ou t'as une encyclopédie, ou t'as dit qu'une encyclopédie ça a sorti, et puis on dit que son explosion qui est faite dans l'imprimerie, pendant l'explosion ça a fait, et puis encyclopédie a tout sorti. Ça fait sens. Donc, lorsque vous découvrez type d'information ça a dans la cellule, je retourne en arrière, lorsque vous allez dans l'explosion cambrienne, non? Yo décortiqué bête ça yo et gè des trilobites lorsque yo ouvè yo yo wè des cellules complexes yo wè information et parce que yo wè cellules complexes qui ça veut dire ça vient contrecarrer théorie Darwin nan, qui dit que nous évoluer dans une dimension dans nous té unicellulaire yon cellule simple pour que nous capable vienne plus complexe donc Darwin gen doute sous propre théorie pâle. Maintenant, lorsque monsieur exposait ça, lorsque Louis Agassiz confrontait monsieur, Louis Agassiz dit, monsieur, pas capable de publier ça. Et Louis Agassiz dit que, je vais publier une thèse qui est contraire avec thèse pour là. Louis Agassiz publie une thèse, il y a les devant la communauté scientifique là, qui réunit, même gens que nous réunis là, et puis il dit que, il y a un problème dans le modèle Darwin. Dans le modèle Darwin, nous jouons des bêtes qui fossilisées dans la période précambrienne et dans la période cambrienne. C'est des périodes géologiques qu'on est capable de suivre pour vous-même. Seul problème qui est dans le modèle de Louis Agassiz, c'est que leur questionner Louis Agassiz sous période géologique, ça, cambrienne, son période 530 millions d'années. Or, Louis Agassiz, parce que monsieur lit Genèse de manière littérale, pour monsieur, planète là, il n'y a pas plus que 8000 ans. Donc, dans le cas de lecture, lorsque le présente la communauté scientifique là, quoi que Louis Agassiz ait raison sous Darwin,
Qui est-ce d'après vous-même qui a raison? Darwin, pour qui ça? Parce que Louis Agassiz, monsieur a insisté sur un bagage que bon Dieu pas nécessairement insisté. Monsieur insiste pour lui dire que planète là son planète qui est jeune, au contraire planète là pas gain plus que 8000 ans, alors que si on dit planète là pas gain plus que 8000 ans, or dans fossiles qui dans si vous voulez dans animaux qui fossilisé yo, yo était là dans période cambrienne là, ça gain 530 millions d'années, donc on a l'impression que chiffre yo pas correspondre. Maintenant, pour qui ça Louis Agassiz fait ça? Parce que dans lecture pas monsieur, monsieur interprété la Genèse de manière littérale. Or, ou capable d'interpréter le livre Genèse de manière littérale, ou capable d'interpréter Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, en Genèse 1, 2, de manière littérale, qu'on ne soit pas obligé d'interpréter de manière littérale. Je vais vous un exemple. Lorsque la Bible dit dans la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Expression les cieux et la terre, là, il symbolisait, si vous voulez, tout le firmament. C'est-à-dire que Genèse 1, verset 1, il seulement parlait de l'univers là dans sa globalité. Lorsqu'il est dans Genèse 1, verset 2, c'est le ça où rentrer dans ce qui concernait la planète Terre. Mais cependant, lorsque vous appelez, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, Louis Agassiz interprétait jour ça comme des jours de 24 heures. Or, mot hébreu que Moïse utilisait pour traduire jour, il utilisait mot yam. Or, yam, il y a quatre explications pour lui-même. Ou si vous voulez, il y a quatre sens pour lui-même. Il y a quatre façons capables d'interpréter. Ou qu'à interpréter yam comme des jours de 24 heures. Ou qu'à interpréter yam comme une demi-journée. Ou qu'à interpréter yam comme une journée. Ou qu'à interpréter yam comme une période longue. Mais fini. Donc, dans le modèle que vous développé pour la Genèse, puisque il y a différentes explications pour le mot yam, et donc dans ce sens-là, pas de obligation pour que Louis Agassiz ait insisté sur une définition des jours de la Genèse de 24 heures, et donc, mais ça fait Darwin gagné et Louis Agassiz perdu. Mais cependant, pendant que je parle de là, jusqu'à présent, il y a un pile scientifique qu'a posé cette question ça à savoir qui ça évolution a cherché dans livre science pour qui ça parce qu'on pas capable prouver évolution. Il est vrai qu'on pas capable prouver la Genèse. La Genèse nous croit dans lui-même par la foi. Nous c'est des créationnistes et nous croit que la Bible dit que c'est par la foi que nous croyons. C'est par la foi que nous croyons ce que Dieu a fait. Donc cependant pour modèle évolution monde qui croit dans l'évolution tout c'est par la foi que obligé croire la donne parce que on pas capable prouver ou pas capable démontrer premièrement on pas gain fossile transitoire yo pour capable montrer chaîne enchaînement dans l'évolution et deuxièmement ou gain explosion cambrienne avec des animaux qui fossilisés pendant des millions d'années et donc ça vient faire que modèle ça que n'a parlé à savoir modèle Darwin nan, c'est un modèle qui purement fictif et que vous pas capable de considérer comme un fait. Mais cependant, il y a un pile de recherche qui fait, je ne vais pas entrer dans la recherche parce que je ne vais pas avoir une opportunité pour que nous capables de poser des questions. Il y a un pile de recherche qui fait sur la Genèse. Et actuellement, il y a arrivé à concilier le modèle qui est présenté dans la Genèse là, par rapport à ce que la science découvrit pour ce qui concernait l'origine de l'univers. Donc, lorsque vous apprenez deux thèses ça, en présence pour que vous compariez création avec évolution, ou gain l'impression que évolution li plus un modèle fictif par rapport à création et qui c'est un modèle qui carrément factuel. Merci beaucoup m'a campé là et m'a ba nous opportunité kounya pour que nous capables poser des questions pour nous capables clarifier les différents points que m'te présenté. Merci. Jean que m'était annoncé dans l'exposé, nous capable poser des questions qui liées ensemble avec point que m'a développé dans théorie et évolution, mais qu'on soit capable de servir ça comme une opportunité. En général, lorsque me fait conférence à dans l'église, me toujours bailler opportunité pour capable poser des questions existentielles, des questions qu'a traversé, des questions sur bon Dieu, des questions sur la Bible, des questions sur la vie,
et des questions sur philosophie, des questions sur le mal, et des questions sur douleur, toutes qualités de questions que vous voulez. Donc, vous avez une opportunité aujourd'hui à vous capable de poser. Mais cependant, si questions sont capables de tourner autour de présentation, vous avez plus et apprécier ça. Merci. Je connais ce que vous micro baladeur pour les gens qui veulent poser des questions. Merci. Si vous avez une question, s'il vous plaît, juste levez les mains. Vous avez essayé de faire ça dans l'ordre. Ok, nous avons une question derrière. Est-ce qu'il y a une autre question encore? Eh bien, ok. Et n'a pas monsieur ça. N'a pas commencé. Vous m'avez avancé. Vous m'avez mis votre micro à bas ou éviter que vous marchiez trop. Salut docteur Jules, et moi félicite et merci pour une si belle conférence. Je t'ai détaillé tout à l'heure dans tentative l'homme comme si pour expliquer avènement l'homme sous terre ou bien création univers et nous avons trois théories et nous avons une conception judéo-chrétienne ou bien créationniste lui-même qui dit que c'est bon Dieu qui crée l'univers avec l'homme. Nous avons un théologien darwiniste ou bien l'évolutionniste lui-même qui dit que c'est l'homme n'en lit pas, c'est pas plusieurs étapes, petit singe, ok, il évolue. Et enfin, nous avons une théorie Bing Bang dans lui-même qui dit c'est une explosion qui est faite, et puis il met comment l'univers créé. Et la question par maintenant, c'est est-ce que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous avons focalisé nous sur le darwinisme et nous avons regardé que dans le contenu, il y a un petit contradictoire avec le créationniste et qui dit que c'est bon Dieu qui crée l'homme, qui crée l'univers. Est-ce que nous avons dû focus nous sur le darwinisme? C'est question de ça. Merci. Merci pour la question. Alors, lorsque vous regardez le modèle évolution, son modèle qui présentait un univers qui est purement physique, côté réalité ou seulement naturel, mais cependant, nous comprenons que nous ne vivons pas dans un univers qui est seulement physique, nous vivons dans un monde qui est physique et nous vivons dans un monde qui est surnaturel. Et donc, bon Dieu n'a pas uniquement créé le monde visible, bon Dieu a créé tout le monde invisible. Et lorsqu'on regarde la demeure de Dieu, côté bon Dieu a habité, côté ange a habité, son espace invisible et que lié dans ce sens-là. Donc, on a des réalités physiques, on a des réalités invisibles, on a des réalités surnaturelles. Donc, ça veut dire que ce n'est pas toute bagaille qui est faite dans l'univers-là qu'on est capable d'expliquer de manière naturelle. Il y a deux bagailles qui expliquent de manière naturelle, mais il y a deux bagailles qui ont besoin d'expliquer de manière surnaturelle. Par exemple, vous possédez un homme, pas un homme de science qui a expliqué un homme qui s'est lié. Il a tout simplement constaté qu'il y a un homme, il a simplement constaté qu'il y a la conscience, mais il n'est pas capable d'expliquer la conscience côté le sorti, il n'est pas capable d'expliquer un homme côté le sorti. Or, un homme, il se trouve que un homme, c'est la force vitale qui permet de fonctionner. Parce que c'est ça l'homme, vous voyez. Ou mourir lorsque l'âme est détachée de corps. Donc, il est aussi simple que ça. Donc, puisque vous composez de yon âme et de yon corps, enfin, âme ou bien l'esprit, parce que des fois la Bible utilise l'âme avec l'esprit de manière interchangeable, mais comme ça, tout des fois, l'icône est présentée et de manière différente. Maintenant, puisque vous avez une âme, donc vous êtes un être spirituel, mais puisque vous avez un corps, vous êtes un être physique, donc, dans ce sens-là, la réalité est physique et spirituelle. Or, dans le modèle Darwin, le spirituel n'a pas existé du tout. La réalité a besoin purement physique. Et tout ça qui fait en dans la réalité physique, là, a besoin d'expliquer seulement de manière naturelle. Or, puisqu'on n'a pas expliqué de manière naturelle, on n'est pas capable de prouver. Et c'est peut-être raison ça qui fait que y a un problème ensemble avec la résurrection de Jésus-Christ. Parce que résurrection, Jésus-Christ n'est pas ressuscité de manière naturelle, Jésus-Christ est ressuscité de manière surnaturelle. Et donc la résurrection de Jésus-Christ, c'est une preuve, son évidence en plus que bon Dieu existait. C'est ça que la Bible dit, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Donc un chrétien n'est pas capable d'embrasser le modèle Darwin, non, parce que son modèle qui est purement concentré sur des réalités physiques et qui ignorait ou bien éliminait des réalités spirituelles que moi-même avoir connaît en tant que chrétien. Pas une question encore? En attendant l'autre question venir,
pose une petite question. Et souvent, yo qu'on prend exemple, chenille avec papillon, comme si mutation qui existait entre eux deux. Est-ce que ça a un rapport toujours avec test Darwin? Ça sont très belles questions, très belles questions. Et je suppose expliquer lorsque m'a parlé de mutation. Alors, faut me dire que en passant, Darwin, thèse que Darwin t'a écrit, yo modifié, et ça fait des fois on parle de néo-darwinisme. Conseil de bagaille que vous ajoutez que pas la donne. Lorsque vous fouillez dans Darwin, Darwin n'a pas tellement insisté sur l'évolution, mais elle plus insisté sur son relais variation adaptative, dans le sens que vous capable de gagner des variations à l'intérieur d'une seule espèce, dans le sens que vous capable de gagner différentes variétés de chiens, vous capable de gagner différentes variétés de chats, vous capable de gagner différentes variétés de cheval, mais yon cheval est un cheval, yon chien est un chien. Donc, dans le contexte, yon papillon, yon larve, si vous voulez, qui pral métamorphoser en papillon, li style rete yon papillon. Donc, c'est tout un processus que lié. Mais processus là, pas bon yon l'autre bagaille. Processus là, pas bon yon oiseau. Processus là, bon yon papillon. On a un modèle que y a vendu pour Darwin, un modèle évolution. C'est que évolution capable de faire passer de yon espèce à yon l'autre. Et ça a lié en contradiction avec la Genèse. Parce que Genèse dit que bon Dieu, li lock tout élément yon dans l'espèce. C'est-à-dire que capable de variation en dans l'espèce, mais ou pas capable de variation inter-espèce. C'est-à-dire que pied bois ou abrite pied bois, zanimo ou abrite zanimo, moun abrite moun. Et c'est ça que fait lorsque ou abli la Genèse, ou apre que gon refrain la donne selon leur espèce, selon leur espèce, selon leur espèce. Donc, tout bagay est lié en dans espèce. Ou qui ça a découvri? La science découvrit que type de mutation que n'a pas lié, à savoir que ou capable de variété en dans ou espèce, c'est pas de nouvelles informations génétiques que ou gagne. Au contraire, c'est perdu information. Mais dans le modèle Darwin, pour que yon chimpanzé ta vin tourne yon moun, ta supposé gagne ajout d'informations génétiques. On a mutation, pas gain ajout d'information génétique, c'est perte d'information qui gagne. Et donc, dans ce sens, ou pas jamais gain possibilité pour que yon espèce traverse de côté lié à une autre espèce. C'est carrément impossible. Et donc, c'est ça que fait représenter le modèle Darwin, hein, comme un modèle qui est purement fictif et comme yon, si vous voulez, un bagage philosophique, yon bagage que vous avez besoin d'accepter par la foi. Mais pas gain aucune preuve scientifique qu'on capable d'avancer. Pour capable montrer mais comment yon espèce mais comment yon chien vin tout nos chat chien pas jamais tourner chat le jour où on chien tout nos chat ou mettre quoi que Darwin gen raison le jour où on chien tout nos cheval ou mettre quoi que Darwin te gen raison mais aussi longtemps que tu as existé avec loi que bon Dieu t'a créé là-dedans chaque espèce a prêté dans espèce a prêté dans pâturage si vous voulez me parler dans sens ça et c'est ça que le modèle Darwin n'a pas campé sur rien. Merci. Est-ce que gen toujours donc question enfant. Ah, OK. Avin jeune. Moi salut docteur Jules et moi vraiment félicite pour bel sujet ça matin. Question par là c'est en tant que chrétien sur le plan d'évangélisation. Si toutefois que yon un cas d'évangélisation, il vous croise avec yon moun qui applique doctrine Darwin. Donc, pas un, deux, trois, comment chrétien ça capable convaincre moun qui applique doctrine Darwin, c'est-à-dire pas avec des versets à l'appui. Un, deux, trois. Très bien, merci. C'est une très bonne question qui m'a dit pour me résumer et ça que me dit. On va être très simple pour capable dire, ou capable dire que est-ce que la vie a une importance? Est-ce que la vie est importante? Et peut-être la oui, la vie est importante. Si la vie est importante, sur qui base est important? Qui ça fait la vie est important? Est-ce que la vie est importante parce qu'on possède des bagages ou bien la vie est importante de manière intrinsèque? Donc si la vie est importante de manière intrinsèque, faut qu'on base. Et c'est problème ça que dans Darwin, c'est que ou pas capable de justifier quoi que ce soit. Ou pas capable de justifier le mal, ou pas capable de justifier le bien, ou pas capable de justifier valeur monde.
Parce que dans le modèle Darwin, où c'est le produit du hasard, l'évolution, son processus qui est guidé par la chance. Et donc, puisque origine la vie au purement son bagage qui est guidé par la chance, univers a sorti dans la chance, ou sorti dans la chance, ou t'es qu'à là, ou t'es qu'à pas là, puisque c'est produit la chance. Donc, c'est produit la chance, ou pas gagne valeur nécessairement. Donc, ce qui base la vie ou gagne valeur, pour qu'ils soient appréciés la vie, et pour qu'ils soient besoin de vivre en manière droite, pour qu'ils soient besoin de vivre en manière morale. Hein? Ça pas fait sens que au moral, parce que réalité, c'est que en dehors de bon Dieu, moralité pas fait sens. Un monde qui pas connaît bon Dieu, qui vit une ville de manière morale, son monde qui perd du temps. Parce qu'en dehors de bon Dieu, son, chaque monde son sauve qui peut, tous les coups sont permis. Parce que c'est seulement moralité ou capable seulement ancrer en deux dans bon Dieu. Mais dans le modèle Darwin, il n'y a pas de question de moralité parce que c'est là, c'est, si vous voulez, c'est survie des plus capables. C'est sous ça modèle là fonctionné. Donc, il présentait que la nature a son jungle, son compétition, et c'est ça qui est capable, capable de réussir. Donc, dans ce sens-là, pas nécessairement besoin de moralité parce que le ça, ou vient une moralité qui est purement utilitaire, moi je fais ça parce que c'est bon pour moi, je fais ça parce que l'a débouché sous des conséquences bienheureuses. Pour moi, je fais ça parce que le rapporté, mais s'il ne pas rapporté, je ne pas faire. Or, nous-mêmes chrétiens, nous pas moral parce que moralité rapporté nous moral parce que bon Dieu voulait que nous moral. Donc, c'est ça toute différence entre nous-mêmes et un monde qui pas chrétien. Donc, rapidement, je vais demander à un monde qui. Quoi dans le darwinisme, est-ce que le pensée la ville gagne importance et sous qui base que le pensée la ville gagne importance et qui côté importance ça sorti et est-ce que importance ça parce que toutes sont questions relatives parce que importance là relative dans le sens que il y a deux monde qui plus important qu'on l'autre et si il y a monde qui plus important qu'on l'autre c'est-à-dire ou un monde qui plus important pas ça si il y a monde qui plus important pas ça c'est que ou même ou moins important et donc sous pas important finalement même question à poser a pas gagne importance tout dans sens ça donc on t'a chita sur type de raisonnement ça yo et pour capable amener à croire que la vie a un sens et la vie a un sens uniquement dans bon Dieu et bon Dieu prouver que la vie nous a une valeur pour lui-même dans le sens que le voyait Jésus-Christ vient mourir dans place nous et ça c'est plus gros preuve d'amour et que bon Dieu capable manifester à l'endroit de nous-mêmes en sorte que lui prouver nous que le remet nous et c'est ça que moi la Bible qui dit que pour nous nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier et donc tout ça que on fait ou pas faire pour bon Dieu capable remet en plus parce que bon Dieu qui t'a montré ou que le remet en plus parce que bon Dieu pas j'aime pire remet ou que j'en remet déjà en Jésus-Christ et donc dans ce sens ça ou capable seulement ancrer bagaille ça ou dans bon Dieu et pas gain moyen pour capable ancrer dans le darwinisme. Dans le darwinisme, Richard Dawkins, un éminent biologiste aux États-Unis qui si vous voulez monsieur son défenseur farouche du darwinisme, monsieur clair avec nous. Monsieur dit que nous sommes un tas de boue qui a développé de la rationalité et rien de plus. Son masse la boue qui a réfléchi, c'est ça seulement, mais ou pas gain valeur dans le darwinisme. Donc, ce sont très belles questions. Tu as une question sur ça? Tu as une là avant. Par contre, je vais regarder l'heure. Tu as 15 minutes pour question? Non, ça dépend. Comment de, ça dépend de pasteur. Comment est-ce que toi encore, ok. Après, c'est. Et bonjour l'église, bonjour pasteur. Moi, très content pour la conférence là. Ma question est la suivante. Biologiquement, hermaphrodite yo existe. Hermaphrodite phénomène là, il existe. Donc, question là c'est que qui vision que Dieu gagne de monde ça? Est-ce que les gars dans un contexte naturel ou spirituel ou les deux? Très belle question et très actuelle. Alors, faut me dire nous que nous vivons dans un monde qui déchu, dans un monde qui brisé. Monde ça que nous vivons là, ce n'est pas la version originale que bon Dieu t'a créée. Et dans la version originale que bon Dieu t'a créée, pas de bagaille ça. Dieu créa l'homme et la femme, et bon Dieu était très satisfait de gens que vous faites. Mais cependant, nous vivons dans un monde qui, si vous voulez, et qui brisé, qui déchu. Et Paul dit que le monde entier soupire les douleurs de l'enfantement. Et donc, c'est-à-dire que nous vivons dans un monde qui est carrément chaotique. Non seulement un monde chaotique, parce que la Bible dit que Dieu l'a soumise à la vanité. Mais non seulement ça, c'est un monde qui est sous l'emprise du malin. Donc, ou bon quantité de bagaille qui est capable de faire, ou ap gade pour la constitution génétique, nous pas même gens encore. Et même Moïse, te gen wè sa, lorsque il dit les jours de nos années sont 80 ans, et pour les plus robustes, à 90 ans. Mais cependant, ou ap gade à l'origine, ou ap gade metouché là, qui quantité de temps que metouché là vive, qui quantité de temps ou quantité de monde vive. Donc, ou ap gade de jour en jour, bagaille ou y a
dégradé jusqu'à ce que nous arrivions dans l'heure côté bagaille yo juste fini t'es gon l'heure bon Dieu te permet que frère Maria sœur c'est comme ça l'était s'il pas comme ça nous pas capable peupler terre ouais donc là ça frère t'es obligé Maria sœur etc pas même cousin cousine même pour qui ça parce que à cette époque génétiquement nous t'es fort mais génétiquement constitution génétique que nous t'es gagné à l'origine nous pas gagné aujourd'hui. Et c'est ça que fait lorsque frère avec sœur ou bien cousin ou bien famille entrer dans des relations incestueuses, ou pour être capable de déboucher sur des déformations et génitales, je suis capable de vous présenter. Pour qui ça? Parce que nous n'avons pas la même constitution. Nous vivons dans un monde côté réalité a pas fini de jour en jour jusqu'à ce que nous arrivions vers la fin. Donc, qui compréhension, bon Dieu, de bagaille ça? Compréhension, bon Dieu, c'est que c'est des bagailles qui arrivent lorsqu'on est séparé de bon Dieu. Parce que soit vivre dans un monde côté toute bagarre est parfait, toute bagarre marcher comme sur des roulettes, c'est comme si bon Dieu t'ait menti. Or, lorsque bon Dieu parlait à Adam dans le jardin, il dit, à cause de toi, le sol sera maudit. Mot que la Bible, mot que Moïse utilisait pour couvrir sol, c'est mot qui signifie terre. Bon Dieu n'a pas parlé Moïse de l'agriculture, il a parlé de la planète terre qui est en bas malédiction. Donc, puisqu'on a une planète qui est sous malédiction, sous l'emprise du malin, qui déchu n'importe bagaille capable de faire la donne. Et donc bon Dieu garde bagaille ça tout simplement comme une conséquence de péché. C'est pas ça le dégain dans sa vision originale. Dans sa vision originale, bon Dieu t'a créé l'homme et la femme et il t'a créé pour être capable épanoui à tous égards. Donc c'est ça que fait bon Dieu, il t'a créé tout un cadre, tout une infrastructure avant que le créé pour que tu sois capable épanoui. Donc c'est des bagailles, c'est des conséquences de un monde qui déchu et que nous-mêmes nous sommes des êtres qui brisés qui vivent. Et dans la réalité, ça, malheureusement. Mais heureusement pour nous-mêmes, bon Dieu a préparé pour nous de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et c'est ça qui espérance nous. Et là, ça, la Bible, telle que Jean présentait dans l'Apocalypse, là, il essuiera les larmes de nos yeux. Pas bien douleur, pas bien cri encore, parce que les premières choses auront disparu. Et donc, pour moi-même, c'est tout son sujet de gloire que Bagaïsaïe. Et c'est ça que Jésus a parlé à la disciple. Il dit, petit troupeau, ne craignez point, car Dieu a jugé bon de vous donner le royaume. Et c'est plus gros bagaille qui est capable de vivre dans la vie, moi et ma veille, c'est que nous sommes capables d'héritier le royaume bon Dieu. Merci. Moi, saluer Dr. Jules pour exposer le. Parce que c'est très important. Moi-même, toujours à poser question dans la vie, le que moi, t'as participé dans une veille, côté que pasteur t'a fait exposer de Charles Darwin avec et la Bible. Et mais moi, je vous remercie parce que vous ouvrez à toute question. Parce que question n'est pas venue sur l'exposé que vous avez fait. Question maintenant, c'est sous, li basé sur Ecclésiaste 12, verset 9, côté que, et li expliqué. Si yon moun mouri, une fois que moun nan mouri, l'esprit le retourne joine bon Dieu et ensuite reste là censé à la terre. Mais même puisque me connais l'homme tripartite, la Bible explique non, m'a demandé est-ce que nom nan li même, li rete nan tombeau à tout avec cadavre là qui décomposé et pendant ce temps l'esprit a joine bon Dieu. M'ta rien explique une explication sur ça. Merci. Son très belle question. M'a invité nous lorsque n'a lié Ecclésiaste pour nous lire avec un pile prudence. Pour qui ça? Parce que livre Ecclésiaste là son livre qui est spécial. Lorsque vous regardez, vous voyez que prologue là avec épilogue là, vous voyez que monde qui écrit là, pas écrit dans la même perspective avec développement texte là. Dans développement texte là, Salomon a expliqué la ville en tant que un monde qui chutait, qui loin bon Dieu. Il a expliqué raisonnement, façon de comprendre l'univers, parce que c'est un philosophe que lié. Et c'est ça que relève l'Ecclésiaste. Donc, dans ça que vous avez lu dans le développement livre Ecclésiaste, ce n'est pas nécessairement ça que bon Dieu enseignait de manière dans la théologie systématique, mais c'est tout simplement bon Dieu permettre que je dis à l'Église, capable de connaître comment le monde qui allait loin bon Dieu réfléchit dans le raisonnement par eux. Par exemple, ou obtenir de Salomon a dit que j'ai haï la vie. Or la vie son bagage précieux que lié, ou pas haï la vie. Et ou pourrait que Salomon a dit que vanité des vanités, tout n'est que vanité, tout n'est pas vanité. Parce que tout bagage a une importance et selon que bon Dieu créé.
Donc lorsque Salomon a parlé comme ça, lorsque l'a dit que lorsque moun nan mouri, corps moun nan allé en bataille et nan moun nan l'esprit moun nan joine bon Dieu, c'est pas que ça là que la Bible enseigne au niveau systématique dans la théologie. Donc effectivement quoi, lorsque moun nan mouri, il tombé en putréfaction et moun nan kounya la l'esprit moun nan, alors faut me dire que la Bible utilisait des fois âme et esprit de manière interchangeable. Et bien deux fois le séparer, ou bien deux fois le présenter comme une entité. Cependant, dans l'apologétique, nous définissons l'esprit comme une faculté de l'âme. C'est la faculté de l'intellect. Alors que nam nan, c'est dimension ça, ou même nam nan, c'est vrai ou même. Nam nan, c'est parti ça, ou même qui va jamais changer. Parce que quel que soit l'âge, ou toujours été même monde hier, et c'est ça que fait lorsque vous parlez devant bon Dieu, ou même monde que bon Dieu t'a créé là. Donc, ou pas changer, ou pas évoluer dans ce sens-là. Par exemple, pas un changement que fait dans l'âme. Il y a un changement que fait dans le corps, mais l'âme ne va pas changer. Donc, pour les gens qui croient dans bon Dieu, lorsque vous mourrez, l'âme va aller directement dans la présence du Christ. Et c'est là, oui. Et c'est ça que fait lorsque vous lisez Apocalypse, ou après que Jean a dit, et les gens qui étaient morts, pendant les gens qui étaient morts, il n'y a pas là bon Dieu, il a dit bon Dieu, jusqu'à quand tardes-tu à tirer vengeance de notre sang, etc. Donc, monde qui mourit en Christ, il est dans la présence de Dieu. Et ça, c'est un mystère. Parce que même quand on chita là, pendant qu'on chita là, ou déjà dans la présence de Dieu. Parce que bon Dieu, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, même là où on est en l'air déjà. Et ça, c'est mystère ça que Aurélie, déjà pas encore. Ou déjà en l'air, mon poko là. Vraiment, physiquement. Donc, c'est un mystère dans. Et dans la doctrine chrétienne. Cependant, pour les gens qui ne pas croire, lorsque vous mourrez, vous allez aller dans un lieu de tourment. C'est pourquoi l'enfer. Actuellement, l'enfer n'a pas de locataire là-dedans, l'enfer vide. Mais les gens qui mourent, vous allez aller dans un lieu de tourment, ils attendent le jugement du grand trône blanc. Et là, ça va paraître devant le trône de Dieu, bon Dieu va le juger, et là, ça va voir dans l'enfer qui était préparé pour le diable et ses anges. C'est ça que la Bible enseignait pour ça qui concernait. Qui compte au aller après la mort? Ce sont très belles questions et qui connectent ensemble avec le sujet ça. Parce que j'aime t'ap dire, origine, l'idée déterminer l'identité, l'idée déterminer est-ce que la vie a un sens, l'idée déterminer moralité et le déterminer destinée. Donc, question posée sont question qui est liée à destinée, nous, à savoir qui compte nous aller lorsque nous mourons. Merci. Nous t'ai dit, Nabbaï, nous avons une seule question. Mais comme nous connaissons, pendant la conférence a commencé, nous avons une question pour poser. Mais c'est à partir de questions notre monde et puis il y a plus de questions qui viennent. Mais nous connaissons tout le monde qui commence le gonfin. Exact. Pasteur Aloué, il est d'accord que au lieu de yon, nous avons trois personnes encore. Nous avons trois personnes déjà. Juste pour éviter que je passe dans le temps de tout le monde là, nous avons demandé, nous avons posé des questions, trois personnes qui ont juste passé par ici et puis il y a payé poser des questions. Nous avons remis pour nous très succinct tout dans ce que nous avons dit. Seulement poser des questions exactement et puis pour le modérateur qui répond. N'a pas demandé, ok, exactement. N'a pas commencé avec Sister. Merci, docteur Jules, pour bel exposé ça, pour belle présentation ça que vous faites. En fait, question, c'est pas vraiment une question, mais c'est un bail que je peux l'expliquer à partir de lui-même, comme si façon que je comprenne la théorie d'Aounisme. Parce que moi, c'est un monde qui lit en pile et. À partir de siècles de contact avec tout, moi j'ai des monde qui pas chrétien, qui croient dans des théories tout ça. En fait, ça que moi-même que moi t'ai pensé, moi pas vraiment réfuter théorie darwinisme là, parce que nous connais théorie darwinisme, toute théorie, en fait, y a passé par des étapes pour être capable prouver qui prend théorie scientifique tout ça. Et à partir de étapes ça y a gain des expériences, gain des trucs que on vient découvrir parce que nous connais paléontologue eux-mêmes. Il a travaillé tout pour être capable de corriger la théorie darwinisme. D'après recherche que moi qu'on fait déjà, nous connaissons des fossiles que ont découvert, par exemple nous avons Lucie, qui sont un fossile que ont découvert qui a à peu près 38,5 millions d'années, je crois. Donc, je pense que c'est lui montrer que l'homme nous dérivé de singes. Moi d'accord côté que aussi une espèce comme si pas qu'à gain évolution entre un chien pour venir un chat, tout ça. Moi-même, moi, j'ai plus pensé, comme si c'est une espèce capable d'évoluer à partir de même espèce-là. Mais il y a juste des changements qui opèrent. Par exemple, si nous prenons loup,
avec chien. Nous avons loup, un chien, il sorti dans la même espèce avec loup. Hein. Même okay? C'est même famille. Mm-hmm. Donc, il y a des évolutions. Nous même humains avec singe, nous sommes dans la même famille. Tout, okay? Nous sommes dans la même espèce. En fait, moi-même, ça que je comprends, moi, je pense que nous évoluons, nous pas comme ça, nous vivons comme ça. De même façon que, intelligemment, nous pas comme ça tout. Si on prend notre temps si ancien, par exemple, nous découvrons le feu, nous découvrons un paquet de bagailles. Donc, autant que nous avons évolué, curiosité nous a permis que, comme si nous évoluons. Donc, moi, je pense que c'est dans ce sens que Charles Darwin lui-même, il était venu avec théorie par là. En pile fois, dans l'église, il y a plus intéressé, pas essayer de questionner tout juste pour ne pas perdre. Je dis que c'est mauvais. Mais si nous sommes capables, mettez-nous ensemble pour nous plus parler avec l'autre. C'est une façon que nous sommes capables de convaincre l'autre monde qui n'est pas chrétien. Parce que vous même pour lire en pile, et soit venir avec un monde pour parler de quelque chose. Les mêmes il y a des questions que la poser. Et ou après, on côté, ou pas pour qui ça peut dire encore. Parce que entre nous, dans l'église, nous manquons de faire débat, nous manquons de parler entre nous, nous manquons comme si questionner quelques théories scientifiques pour nous capables avec la Bible, pour nous qui gens que nous capables convaincre l'autre monde. Donc, c'était excellent ça que je voulais dire. Question. Merci beaucoup. Merci pour l'élaboration, mais ce sont très bonnes questions. Alors, ce sont questions souvent opposées, à savoir, lorsque vous découvrez des fossiles et que vous gardez ou vous semblez avec le monde. Alors, il faut me dire que il y a un pile de fossiles que vous présentez, c'est des fossiles que vous fabriquez. Vous fabriquez pour être capable de défendre une thèse. Mais cependant, effectivement, il y a des fossiles vrais. Et lorsque vous regardez le récit de création, vous voyez que tout ça que bon Dieu créé, vous voyez que il y a plusieurs bêtes qui extinctes, c'est-à-dire qui éteintes, qui sont finies. Et lorsque vous entrez dans la couche géologique, lorsque vous regardez en bas de terre, vous regardez qui ça lié, vous découvrez une quantité d'espèces, et que c'est dans l'explosion cambrienne, yo ouais une quantité espèce, une quantité fossile tout que yo ouais. Mais fossile ça yo, lorsque yo déterré yo, peut-être nous t'en parler de l'homme de Néandertal et qu'a parlé tant que Lucie Jean au présenté là. Mais si vous voulez, c'est ça que nous relais des hominidés. Donc c'est des êtres, yo semble à monde mais yo pas monde et une raison qui fait découvrir que yo pas monde, c'est parce que yo voyen que dans civilisation côté haute ouais quantité être ça yo paraît sous la terre, yo pas joindre. Si vous voulez, aucune culture, il n'y a pas de joindre aucun élément religieux. Et une réalité au découvrir, c'est que être ça qui était là, ça aurait les hominidés, tant que Lucie, etc., il n'y a pas de pièce capacité cognitive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de capacité de raisonnement, il n'y a pas de capacité de pensée abstraite, il n'y a pas de capacité de réflexion, il n'y a pas de capacité de production. Et c'est ça qui fait ouais, que civilisation commence avec l'homme. Civilisation pas commencé avec hominidé. Et c'est ça que fait lorsque nous considérons hominidé, nous considérons que les animaux que yo c'est des animaux qui semblent à monde qui marchent sous deux pieds, même genre c'est des bipèdes que yo mais yo pas monde tout simplement parce que yo pas gain faculté cognitive que yo monde possédait. Et bon Dieu, dit fait pile création avant le cinquième jour. Bon quantité bête que bon Dieu fait, le fait au quatrième jour, il fait au cinquième jour, et le sixième jour, bon Dieu, c'est le seul décidé que l'a créé l'homme. Lorsque vous allez en dedans couche, en bas terre, vous regardez ça qui a passé, vous voyez que bon Dieu te fait une quantité création, et qui, alors, une quantité création que le fait, qui éteint, et qui, après ça, bon Dieu recrée encore une quantité. Il éteint, après ça, bon Dieu recrée une quantité encore. Et toute quantité ça que bon Dieu crée, toute quantité bête ça que bon Dieu crée et qui est elle, c'est au même jodi a qui ba nous tout minéral que nous gagne en bas terre. C'est au même qui ba nous pétrole ça. C'est comme si on t'a dit tout ça que bon Dieu t'a fait yo, en termes de créer une quantité de créatures que le te connaît que dans condition climatique là qui pas capable résister à condition climatique yo, mais qui t'a pral éteindre, mais bon Dieu t'a fait yo, en perspective de l'homme que t'a pral créer. Donc, bon Dieu, tu connais que l'homme t'a pral vini, l'homme t'a pral besoin des minerais, l'homme t'a pral besoin, pas connais, si vous voulez, tout ça rejoindre en bas terre comme ressource minière pour que vous capable de fonctionner. Et c'est dans la perspective ça que bon Dieu t'a créé. Parce que nous croyons en création,
Nous croyons que bon Dieu, lorsque il crée l'homme, bon Dieu crée l'homme avec toute faculté cognitive. Donc Adam n'est pas un être qui évolue. Comment vous dites que Adam évolue pendant que bon Dieu crée Adam le sixième jour et bon Dieu dit Adam pour le bail bête yo non? Donc pour Adam capable bail bête yo non, qui ça Adam a besoin de faire? Adam a besoin d'observer bête yo. Deuxièmement, Adam a besoin de déterminer dans quelle famille que yo a appartenu pour être capable de faire classification. Il faut le faire observation, il faut le faire classification, ensuite il faut le faire nomination. Donc pour que Adam capable de réaliser bagay sa yo, Adam a besoin d'un être qui crée à la perfection, si vous voulez. Avec toute faculté cognitive, li, Adam a un perfectionnement moral avec la connaissance de Dieu, parce qu'il a une relation ensemble avec bon Dieu, la connaissance de son environnement physique. Et c'est ça que bon Dieu te dit Adam, même côté bon Dieu créé Adam et Ève, il dit yo, par rapport à l'environnement sacré, assujettir, multiplier, assujettir et dominer. Pour que Adam, si vous voulez répondre avec l'autre, ça, multiplier, alors, multiplication facile, c'est Ève dans le jardin ensemble avec lui. Problème, multiplication, pas de problème, on a supposé ça. Tu as un problème, ça, pièce. Mais pour le faire travailler assujettissement et de domination, ça, il a besoin de des facultés cognitives. Et facultés cognitives que Adam et Ève ont gagné, nous pas joindre dans hominidé qui était là avant yo. Ou une quantité moun sa yo. Alors faut me dire que sont très belles questions parce que problème nan sorti dans le fait que nous avons interprétation de la Genèse de 24 heures. Mais ça pas nécessairement un problème parce que ça pas en condition de salut. On moun doit interpréter jour Genèse yo comme des jours de 24 heures, on moun interpréter comme une période de temps, ça pas nécessairement un problème. Mais lorsque on interprète jour yo comme des jours de 24 heures, qu'on y a des difficultés pour expliquer le type de être ça yo qui t'est existé parce que ou vin obligé à considérer autant que monde en général yo pas de monde, c'était beaucoup plus des hominidés. Donc pour monde qui besoin faire recherche additionnelle sur ça, et gain organisation et qui relé Stand to Reason et qui lui-même qui gain à la tête li UWAS, et si vous voulez c'est un meilleur astrophysicien et qui existait à travers le monde entier et sont chrétiens. Et monsieur font quantité de recherche sur Bagaïsa et m'a invité tout le monde qui besoin approfondi connaissance sur Bagaïsa. Allez Stand to Reason, standtoreason.org, et ou bien checker, allez sur internet, écrit UWAS, UHUGH, UWAS, RO2S, et n'a pas capable de joindre toute recherche que UWAS a fait dans le domaine ça. Merci. Et moi, féliciter Dr. Gilles pour la conférence là. Moi-même, moi, c'est Exantus Watson. Alors, et moi, féliciter Pasteur Maxou parce qu'elle a invité Dr. à venir présenter la conférence là. Ce n'est pas une question, c'est juste son information plus ma portée, c'est une question que tu as posée là en tant que médecin. En pile fois, et c'est le bas à l'arrivée sous nous. Et puis, alors, moi, j'ai un petit film qui a étudié droit. Et puis, avant hier soir, je posais une question. Papi, en tant que chrétien, ça vous pensez, comment on comprend la théorie d'Aris avec créationniste et évolutionniste? C'est comme si on coupe le bateau, comme si on me disait, je ne peux pas dire pour moi une question, ça n'a pas existé. Je ne jamais pensé que je posé une question comme ça. Je disais, bon, je vais le faire, je vais avoir une réponse. Donc, l'in en droit, etc. Bon, je vais en plus l'information là, etc. Donc, que bon Dieu bénisse. Et l'information m'a porté, c'est que, donc, question posée sous. Et ma faute dit. Alors, docteur a bien répondu, il dit que c'est la création tout entière qui a souffri. Ok, on dégradé, on a fait, ce n'est pas Jean Oté à l'origine. Et on a même pris si à moi et tout. Son mutation, son information, c'est même qui a rejoint dans le cancer. Lorsqu'on masse, ça veut dire que masse, sa cellule, ça, l'autre cellule, information, chaque graine cellule gagne, il est perdu par là. Et puis, quoi, perdu du contrôle, cellule là, et cellule là, la multiplie en quantité que l'autre cellule, au départ, l'origine, que ce n'est pas comme ça, au dévouer. Ou on retire en masse, il retourne encore deux fois, trois fois la valeur. Donc, c'est exactement ça. C'est son réponse et scientifique en même temps, spirituelle et scientifique. Donc, quoi, au commencement, pas de comme ça, il pas de comme ça. Au commencement, moun yo passé 40 ans dans le désert à pied yo pas enflé, OK? Même chemise yo te gagné depuis 6 ans. Là yo gagné 40 ans et même vers sa même chemise là, yo pas jamais changé. Ouais, ça son miracle, c'est surnaturel. Même chemise ti sou li yo te gagné à 6 ans,
l'elle gagne 35 ans même sous l'air agrandi. Ça c'est surnaturel. Darwin pas expliquer ça. Et puis par rapport à expérience son chrétien fait, Darwin mettait bon Dieu dehors. Gagne expérience ou faire bon Dieu, c'est même la pasteur Maxi côté maintenant là. Donc bon Dieu là, c'est expérience ou pas le faire. L'on passe une étape de n'est plus ça rouros, c'est-à-dire ou vin on fils mature, gagne expérience ou faire bon Dieu. Et bah Darwin a mis du bon Dieu là. Donc information c'est que et c'est même bagarre avec Siamoyo et hermaphrodite, c'est des cellules OK mutées qui perdu information et puis eux même ils prend l'autre direction prend direction par eux. Donc on dit mon a un cancer ou retire en masse OK pour lui cellule ça masse ça elle pas supposé que c'est ça mais gain information qui vient perdu qui changer. Ou par contre, gros information ça sorti, OK? Bon changement de fait et puis ça sort en DA, cellule là, il est parti. Donc c'était juste ça m'a apporté, merci beaucoup pour l'information. Dès que je fais une rectification, non organisation, c'est pas stand to believe sont l'autre organisation, ça c'est reasons to believe. Reasons to believe you was et pour monde qui besoin plus d'informations sur type de recherche ça. T'as une dernière question? Alors, moi salue l'église. Docteur, moi salue parce que ma habitué tant de ou. Et des fois, les m'habitant de ou, moi j'ai un problème parce que je suis pas bombardé avec question. Moi dit bon, les moi là et puis les moi même dit bon, là, l'autre dit faut poser question, je dis là, moi bombardé avec question, mais comme baguette. Ou ça, c'est un bagage qui est intéressé en pile. Et l'on dit que version originale, bon Dieu, ça n'est pas version originale, bon Dieu. Et ça, on se pose la question, même bagage à tout, pour ma faute, dit-on. Ou dit-on, ça n'est pas version originale, bon Dieu. Mais nous connaissons que bon Dieu, il compte tout bagage, il est tout bagage, et il est omniprésent, il est omnipotent, même genre que le dit dans la Bible. Et dans la Bible encore, il dit que tout homme fait à l'image de Dieu. Mais est-ce que moun sa ou qui fait là, est-ce que moun sa ou qui fait là, qui a ma faute, est-ce que si que yo entre l'église, yo converti, bah, est-ce que moun sa pas sauvé? Est-ce que moun sa ou yo capable de rejeter de l'évangile là? Parce que bon Dieu lui-même, même gens que nous parler et les Jésus-Christ est sous quoi? Avec la en gauche, la en droite, les la en droite qui était un bandit, un criminel. Jésus-Christ est sauvé, parce que là nous sommes capables de dire que Jésus-Christ c'est lui-même qui met ça à lui, qui fait salver. Mais est-ce que moun sa yo, est-ce que c'est conséquence péché qui est capable de cause moun sa yo pas sauvé? Parce que vous dites une version originale, bon Dieu, c'est pas ça. Yeah. Pas une explication. Okay. Alors, lorsque nous avons lu l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, et Paul a expliqué nous que le corps est semé corruptible. Et il ressuscite incorruptible. Et donc, dans un certain sens, le corps physique ça, que nous avons là, son corps qui est capable de sujet à infirmité, et qui est capable de sujet à déformation, et qui est capable de sujet à toute bagaille, parce que nous vivons dans un environnement qui déchu, dans un monde qui brisé. Mais salut pas un rapport avec forme physique, ou salut pas un rapport avec infirmité, ou bien déformation congénitale ou salut gen a wè a est-ce qu'on croit dans Jésus-Christ, est-ce que ou réaliser qu'on son pécheur et que sans bon Dieu perdu et que pas grand yon capable faire pour capable rendre tête ou appréciable dans yeux bon Dieu parce qu'on condamné ou fait tout condamné ou fait tout perdu. Maintenant cependant bon Dieu fait provision pour vous-même en Jésus-Christ. En sorte que toutes les fois que vous croyez en Jésus-Christ, vous croyez en sacrifice que Jésus-Christ a fait sous quoi. Parce que le sacrifice que Jésus-Christ a fait sous quoi, il fait une fois pour toutes. Mais son sacrifice qui est efficace uniquement pour les gens qui croient. Les gens qui ne croient pas, le sacrifice n'est pas efficace pour eux-mêmes. Mais les gens qui croient, ils sont capables de bénéficier de la rédemption que bon Dieu a en Jésus-Christ. Et c'est leur ça qu'ils sont capables de gagner la vie éternelle. Mais ça n'est pas lié du tout avec type d'infirmité, non, parce que Paul clair sous bagaille ça, il dit nous que le corps est semé corruptible et il ressuscite glorieux. Le corps est semé dans l'infirmité, mais il ressuscite plein de vigueur.
lorsqu'on va le ressusciter dans la présence de Dieu, on va avoir un corps glorieux et qui n'a pas rien à voir avec ça que nous avons là aujourd'hui en termes de corps physique. Parce que le type de corps que nous avons là, son corps qui semblait avec corps Jésus-Christ ressuscité dans la mort, son corps physique. Résurrection, son résurrection physique. Nous ne pouvons pas ressusciter spirituellement. Tout le monde qui croit en Jésus-Christ, il est déjà ressuscité spirituellement. Maintenant, qu'on y a là, au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ, Jean-Paul enseigné, ressusciteront premièrement et nous qui serons encore vivants, nous serons transformés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et là, ça n'a pas le revêtu un corps glorieux qui n'a pas gagné rien avec le corps que nous gagnons. Et corps que nous gagnons aujourd'hui, il n'y a pas un obstacle et pour que nous soyons capables de sauver du tout, du tout. Par contre, salut que mon Dieu offre pour nous, son salut qui purement en Jésus-Christ et pas un obstacle pour lui du tout, du tout. Son seul obstacle qui gagne pour un monde pas sauvé, il est l'incrédulité. Donc, un monde qui décide pas quoi, il pas sauvé. Et donc, tout le monde qui pas quoi, il va condamner. Ça seulement est comme obstacle. Ok, merci. Moi, content pile matin, hein, depuis le temps de vous dire, ou avoir un espace pour moun poser question. Parce que ça arrive, moi, je ne suis pas stressé facile. Mais depuis que je parle de la Bible, je suis stressé avec limite. Il y a un pile de monde sous question que tu as posé de la Bible. Question qui est liée. Depuis longtemps, il y a expliqué que bon Dieu compte tout le bagage. Mais moi-même qui l'a joué, je connais le tape la matin. Et je connais le tape poser question ça. Quand il y a même besoin qu'on ait, tout ça qui vient après le péché, est-ce que le péché n'est pas dans le plan bon Dieu? Parce que quand paquet de bagages qui viennent ici après péché, est-ce que péché n'a plein bon Dieu et qui j'en fais bagages ça qui viennent après péché nous dit ces conséquences péché, est-ce que ça n'a pas traité dans plein bon Dieu? Bah c'est que sont très belles questions et sont questions qui fait couler en pile l'encre, à savoir et puisque bon Dieu omniscient, c'est-à-dire que omniscient il est du compte toute bagage et puisque bon Dieu a préscience, c'est-à-dire que le capable connaît bagages avant d'arriver et donc est-ce que bon Dieu pas connaît que péché t'apprend exister lorsque bon Dieu fait création. Bien sûr que bon Dieu te connaît. La Bible dit nous que bon Dieu t'a préparé Jésus-Christ comme l'agneau qui devait être immolé avant la fondation du monde. Donc si bon Dieu préparait Jésus-Christ pour être immolé pour le péché avant la fondation du monde, donc nous pas qu'à dire que bon Dieu pas te connaît. Mais c'est pas par le fait que bon Dieu connaît un bagage qui fait bon Dieu c'est cause bagage là. Donc l'extrêmement important pour que nous distinguer le fait que bon Dieu a connaissance et le fait que bon Dieu c'est cause toute bagaille. Bon Dieu n'est pas cause des péchés, dans la mesure où la Bible claire sur ça, il n'y a point d'iniquité en lui. Donc bon Dieu n'est pas un péché. Mais cependant, bon Dieu crée des êtres qui moralement parfaits. Moralement parfaits, vous l'avez dit que moi-même avais nous libres. C'est-à-dire que bon Dieu crée nous, il nous a un cadeau. Cadeau qui est plus précieux que bon Dieu nous après Jésus-Christ. Ou bien en dehors de Jésus-Christ, il y aurait le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la liberté de choisir. C'est grâce à libre arbitre qu'il faut capable prendre micro et venir poser question. Si pas de libre arbitre ou pas t'a fait. Est-ce que bon Dieu t'est qu'on t'a fait? Oui, bon Dieu t'est qu'on t'a fait. Est-ce que c'est bon Dieu qu'il faut poser question? Non, c'est pas bon Dieu qu'il faut poser question, c'est ou choisi pour poser question ou t'es capable de choisir pour pas poser. Mais bon Dieu t'est qu'on t'a posé question et bon Dieu t'est planifié moi-même pour me donner réponse là pour me poser question, n'est-ce pas? Donc, bon Dieu crée nous avec le libre arbitre. Et donc, lorsque nous faisons bagaille, c'est nous qui faisons. Lorsque Adam péché dans le jardin, bon Dieu dit à Adam, pourquoi tu as fait cela? C'est-à-dire que c'est choix Adam. Pour qui ça, c'est son choisi? Et maintenant, nous réalisons que choix Adam et Ève, là, c'est un choix qui est extrêmement simple. Adam, tu as gagné tout pouvoir pour ne pas pécher. Mais Adam choisit pour le péché. Parce que Adam choisit pour le péché, Adam t'es pas obligé de vivre avec conséquences péché. Et parce que Adam c'était représentant l'humanité, puisque Adam et Ève péché, l'humanité péché. Et puisque moi et ma mère, nous tenons ceinture Adam, le Adam t'a péché, parce que c'est ça lié. Alors c'est ça théologien qui dit que nous t'es en Adam de manière géminale, dans géminale ou est germe, ou bien de manière séminale, dans séminale ou est semence. Donc nous sommes dans Adam, nous sommes dans ceinture Adam, le Adam péché. Et c'est ça qui fait tout petit monde qui sortit en Adam, il sortit avec une nature morte, donnant la mort. Et c'est ça qui fait vous voulez suspendre péché ou pas capable. Parce qu'on fait avec une nature de péché. Vous mettez goumen pour pas péché ou pas capable. Parce que c'est ça qui fait besoin de rédemption. Et même monde qui est chrétien comprend ça m'a dit là, essayez de faire 2-3 jours par la prière pour quel type de monde ou à pied.
fait 2-3 jours par la prière pour voir si on différence entre tout même et monde qui dehors. Tout ça monde dehors faut qu'a faire le tout. Parer dans la présence de Dieu pour voir qui type de monde on a pied. Ce type de nature ça, c'est vieil homme ça qui dans ou même. Et c'est ça que fait la Bible, inviter nous à crucifier le vieil homme qui le chaque jour dans la vie nous. Donc c'est chaque jour et c'est ça où besoin renoncer à tête ou chaque jour charger quoi ou poursuivre Jésus-Christ. Et c'est ça que la Bible enseigne. Mais on a un choix. Bon Dieu t'est connu d'après le faire, mais cependant bon Dieu t'est choisi lorsque l'a regardé toute possibilité que il gagne, tout monde que il était capable créer. Bon Dieu t'est capable de créer un monde côté personne pas jamais péché et que fonctionnait en coup des robots. Yo obéi bon Dieu au doigt et à l'œil, yo pas libre. Bon Dieu pas de fond bagarre comme ça parce que bon Dieu, il était besoin faire un être qui moralement parfait. Donc pour bon Dieu faire un être qui moralement parfait, il était obligé ba bête ça liberté pour le fond monde qui moralement parfait, il était obligé ba le libre arbitre. Et c'est perfection morale ça qui fait que nous créer à l'image de Dieu. Maintenant zange ça yo, zange yo gen perfection morale là tout la caillou. Et ça fait que deux anges qui choisit bon Dieu, gen deux anges qui pas choisi bon Dieu. Les anges qui pas choisi bon Dieu, nous relé au des anges déchus. Donc yo gen choix. Donc ou gen choix. Donc à ou même de exercer choix ou bien tant qu'on matin on gen choix pour capable prendre décision, est-ce que on vivre pour Christ? Est-ce qu'on pas vivre pour Christ? Bon Dieu pas pour le forcer vivre pour lui-même. Parce que bon Dieu pas forcer personne. Des fois, il y a des gens qui ont dit, Seigneur, forcez-moi. Non, non, bon Dieu, pas forcer. Bon Dieu voulait que vous libre avec choix. Parce que bon Dieu était capable d'empêcher Adam de pécher, s'il voulait. Mais cependant, bon Dieu quitte le monde, ça, nous entrer là-dedans, nous monde de péché. Mais lorsque nous venons découvrir Jésus-Christ, nous venons connaître le goût du beau. Et là, ce qu'on a fait passer, lorsque vous allez entrer dans la présence de Dieu avec un corps glorieux, bon Dieu prend le fort cadeau présence li, dans le sens que ou pral wè bon Dieu face à face. Et tout le monde qui wè bon Dieu face à face, ou gen sa rele l'immutabilité, c'est-à-dire qu'on pas ka péché encore parce qu'on sak bon. Parce que bon Dieu c'est la beauté personnifiée. Bon Dieu tout pi belle bagay ou capable concevoir nan mayo, et ben bon Dieu pi belle facile. Donc lorsque ou fin wè bon Dieu ou pa gen désir péché encore, et c'est ça que fait moi m'avè nous pral entrer dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre. N'a still gen libre arbitre mais nous pas gen pièce désir pour nous pécher encore parce que kounya nous connait le goût du beau et ce type de monde ça que bon Dieu t'a voulait créer lorsque bon Dieu a créé monde ça bon Dieu gen rédemption dans maeli parce que rédemption t'est dans maeli bon Dieu t'est au courant de péché bon Dieu t'est connaît que il t'a pral offrir Jésus-Christ il t'a pral baeli à tout monde qui voulait croire en sorte que tout monde qui croit est capable sauver mais monde qui pas croit c'est choix par eux parce que bon Dieu pas voyer personne dans l'enfer. Mon al dans l'enfer à cause de choix. Parce que bon Dieu t'a préparé l'enfer pour le diable et ses anges. Mais cependant, il dit tout le monde qui voulait suivre Satan yo, ou capable d'aller, et le ça, c'est choix pas. Donc, quelque part, lors la Bible dit que la volonté de Dieu soit faite, gon volonté qu'a faite dans la vie. Yo. Ce soit qu'on fait volonté par ou dans l'enfer, ou bien on fait volonté par bon Dieu ou dans le ciel. Mais au final, a bon volonté qu'a faite quand même, et ou libre, et pour capable choisir. Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Par contre, si mon dernière question, sinon c'est... Non, ça n'a pas... Oui. L'autre monde qui a une question toujours. Oui. Mais malheureusement, tout commence par une fin. Si j'ai un monde qui a une question que tu as me poser après service, je ne sais pas, est-ce que par le bien de Pasteur Max, il a toujours posé, et puis, Docteur Jules, je crois que Docteur Jules, il a une bagarre dans la tête pour répondre. Nous vous remercions en pile, Docteur Jules. Dernière question, c'est Pasteur Max. Pasteur Max a fini de poser une question. Et puis, ben, le mot de la fin. Et c'est ton plaisir pour nous avoir. Au nom de toute l'Église, nous vous remercions. Merci, merci encore. Merci. OK. Je vais poser la dernière question et puis je vais tout clôturer. Je vais laisser aller depuis 1871. Question, j'aimerais formuler question, j'aimerais préparer question, non? Et j'aimerais l'atterrir en 2020 dans la question COVID-19 par rapport avec quelques réflexions que certains monde fait et même des chrétiens. Darwin t'a considéré la religion comme étant une caractéristique sociale évoluée. Il y a un ouvrage que lui qu'on écrit, il y a une, par exemple, Origine de l'homme en 1871. Les m'a regardé livre ça qui parlait de le rapprochement fréquent dans tout le livre bon petit là plutôt croyance en Dieu et de la religion avec les thèmes des superstitions
et du fétichisme peut laisser comprendre que quel degré de vérité il assignait aux deux premières. Bon, prend ça que m'a pas posé question là-dedans. Qui ça lié? Darwin Capelli dit comme ça, dans l'introduction du livre, ça, il dit qui ça? L'ignorance engendre la confiance plus souvent que le fait la connaissance. L'ignorance engendre la confiance plus souvent que le fait la connaissance. Ce sont les personnes qui savent peu et non celles qui savent beaucoup qui affirment de façon si tranchée que tel ou tel problème ne sera jamais résolu par la science. Est-ce que là, nous, m'a parlé de manière générale, m'a posé des questions pour tout le monde net, etc., par rapport avec, j'aime dire, quelques bah, moi, qu'on a regardé sur Facebook, surtout dans le moment COVID-là. Il y a des gens qui, dans le moment COVID-là, qui dit, il y a des gens qui sont hostiles envers l'évangile, envers l'Église, qui dit comme ça que, dans le moment COVID-là, nous parlons religieux, nous parlons l'Église, mais c'est la science qui crampe. Est-ce que ça t'a voulu dire, nous t'avons Darwin raison sur ça? Ces questions m'ont posé ça. Dernière question. Merci beaucoup, pasteur. Moi, ce sont très belles questions et m'entendez souvent. Et pendant, alors sur Internet, il y a plusieurs monde qui dit que et actuellement là, tout le monde a la prière pour la science et bah ils ont médicaments. Mais en pile fois, on ne peut pas réaliser qui ça la science et qui côté la science sorti. En principe, vous avez deux types de science. Ou bien la science des opérations ou bien la science des origines. La science des origines lui explique qui côté bagaille yo sorti. La science des opérations lui explique comment bagaille yo fait. Lorsque bon Dieu parlait ensemble avec Adam et Ève dans le jardin, il dit yo comme ça que pour planète ça que le bayo assujettir et dominer. Pour que Adam capable assujettir et dominer, Adam obligé faire la science. Donc c'est que ou pas capable dominer planète là sans qu'on pas maîtriser les lois de la nature, les lois de la physique. Maintenant pour que capable gagner les lois de la physique, donc la loi de la pesanteur, le principe d'Archimède et toute l'autre loi que nous connaissons, tout côté que on loi ou besoin qu'on législateur parce que pas capable gagner loi sans législateur. Donc, si il y a des lois de la physique, c'est que un législateur suprême, parce que loi, ça n'est pas l'homme qui fait. Yo. L'homme, tout simplement, constate la loi. Cependant, pour l'homme capable de dominer sur la planète, il est obligé de comprendre les lois de la physique. Mais pour l'homme capable de comprendre les lois de la physique, il est obligé de faire la science. Donc, dans ce sens-là, bon Dieu fait l'homme cadeau, ça aurait la grâce commune. La grâce commune, alors, il y a deux types de grâce. Ou gagner la grâce salvatrice, qui c'est grâce que nous recevons pour que nous soyons capables de croire en Jésus-Christ et que nous soyons capables de sauver. Ou gagner la grâce commune. Grâce commune, c'est grâce que bon Dieu nous pour nous capables de faire terre fonctionner. C'est grâce à ça que le professeur de l'école a gagné, lorsque l'a expliqué un bagage à élève, comprendre. C'est grâce à ça que l'avocat a gagné, lorsque l'a défendu un cas. Pour présenter une belle rhétorique pour car il y a la grâce commune. C'est grâce commune ça que homme de science l'a gagné lorsque il est entré dans le laboratoire, il a fabriqué un médicament, il est capable de faire parce qu'il recevait de Dieu la grâce commune. C'est pourquoi la Bible dit que à chacun de nous, la grâce a été donnée. Donc chaque monde recevait de Dieu une part de grâce. Et là, la Bible ne parle pas nécessairement de une grâce spirituelle, tant qu'on a dit, tant qu'on est apôtre. Tant qu'on évangéliste, tant qu'on pasteur, tant qu'on docteur, ça c'est des dons de ministère, des dons ministériels qu'on reçoit. Mais chaque monde là reçoit de la part de Dieu une grâce commune pour être capable d'exercer ministère sous terre en termes d'assujettissement et de domination. Si vous ne recevez pas grâce ça, vous n'êtes pas capable de répondre à un mandat que bon Dieu va avoir. Mais cependant, qui côté la science sortit? La science, ou bien la donne, 52 pères fondateurs de la science. Sous 52 pères fondateurs de la science, ça y est, 60% là-dedans, c'était des théologiens. Je dis 60%, pas 100%. Sous 52 pères fondateurs de la science, là, yon seul là-haut, c'est ton athée. Yon nan moun capable de citer non, c'est Francis Bacon. Pour qui ça me cite non, Francis Bacon? C'est parce que Francis Bacon, c'est lui-même qui inventait la méthode scientifique. Sans méthode scientifique, pas de la science.
Donc la méthode scientifique est inventée par un théologien. Maintenant, sur qui base Francis Bacon inventé la méthode scientifique? Pour Francis Bacon, bon Dieu écrit deux livres. Le livre de la nature et le livre de l'écriture. Donc c'est ça que fait Francis Bacon penser que bon Dieu bat nous des mécanismes d'interprétation pour ces livres. Mécanismes d'interprétation de la nature, lire la science. Mécanismes d'interprétation de l'écriture, il y aurait la théologie. Lorsque la science bien interpréter la nature et la théologie bien interpréter l'écriture, il est supposé aboutir à la même conclusion parce que et la nature et l'écriture, tous les deux joignent originaux dans bon Dieu. C'est ça que théologien aurait la révélation naturelle, la révélation générale de Dieu que nous joignons dans la nature et la révélation spéciale de Dieu que nous joignons dans les écritures. Ceci dit, qui côté la science sorti? Lorsque monsieur a lu l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1, côté Paul a dit les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil quand on le considère dans ses ouvrages. Lorsque David a dit les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, monsieur dit tête plus yo comprendre création, c'est plus y a comprendre créateur. Donc là, ça y a un acharnement à étudier la création, c'est-à-dire à étudier le monde physique. Pendant que y a étudié le monde physique, mais comment la science arrivait à l'existence. Donc là, mon jodi a wap dit que n'attend la science. Moi, son monde qui pas comprendre ce wap dit, parce que monde qui pral joindre si y a besoin d'un médicament pour Covid. Il y a besoin de médicaments parce que bon Dieu permet ça. Lorsque un chirurgien qui a opéré au monde, bon Dieu est capable de servir avec chirurgien parce que bon Dieu opérait dans le surnaturel, bon Dieu opérait dans le naturel tout. Parce que le naturel, c'est pour bon Dieu. Et lorsque bon Dieu a opéré dans le surnaturel, bon Dieu n'a pas dépensé plus d'énergie que dans le monde naturel. Lorsque Ézéchias malade, Ézéchias pral mourir, bon Dieu dit Ézéchias. Alors Ézéchias prie et bon Dieu dit bon Dieu Seigneur, qu'on ait jamais été marché avec vous, ou pas faire ça, etc. Bon Dieu dit Ézéchias, al prend une masse figue et puis al appliquer sur l'ulcère d'Ézéchias. Qui ça bon Dieu fait là? Bon Dieu utilisait des procédés naturels pour guérir Ézéchias. Bon Dieu était capable de camper dans le ciel là, il dit Ézéchias, ou guéri, il fait le déjà. Il pas fait le pour Naaman, il pas dit Naaman, juste plonger sept fois et puis tout le bagage fini. Bon Dieu était capable de faire. Bon Dieu agit dans le surnaturel, il agit dans le naturel tout. Et parce que bon Dieu agit dans le naturel, bon Dieu est capable d'inspirer n'importe qui, particulièrement monde qui connaît la biologie, qui connaît la science, pour être capable de venir au médicament. Mais est-ce que monde a besoin de prendre gloire là pour ça? Non, parce que tout vient de Dieu. Donc monde qui parle comme ça, c'est des monde qui pas connaît nature bon Dieu. Il n'y a pas qu'on est dans qui sens que bon Dieu est intervenu. Il n'y a pas qu'on est l'origine de la science. Et il n'y a pas qu'on est que c'est bon Dieu qui est à la base de tout ça. Et si nous songez bien, lorsque Moïse a construit le temple, bon Dieu a dit Moïse, l'a mette dans Betsaleel, fils d'Uri, esprit d'invention pour le capable de travailler le fer, pour le capable de travailler le bois, pour le capable de travailler les reins. Bon Dieu est entré dans tout domaine ça. Donc, à savoir, est-ce que n'obtenons la science? Pas qu'on obtenons la science, n'obtenons bon Dieu. Bon Dieu est capable d'utiliser le naturel, il est capable d'utiliser le naturel. Comment l'a fait, nous ne connaissons pas. Mais nous seulement connaissons que bon Dieu a fait un bagage par compassion, parce que c'est Dieu qui charge compassion. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Merci.